T'sais, on vient d'une famille euh, qui a beaucoup de gars. T'sais, on était quatre gars, plus mon père, ça fait cinq boys. Puis euh, quand, quand on est jeune, quand on est des jeunes hommes, on cherche beaucoup des, des, des modèles masculins. Puis c'est bien beau avoir notre père, mais notre père n'est pas parfait. Hein. Votre père n'est pas parfait à vous autres non plus. Fait qu'on on était en quête de, de chercher quelqu'un qui nous inspire. Puis là, quand on a su que Jordan arrivait, man, j'ai payé des billets à tout le monde. Toute ma famille, euh, puis des amis, puis tout. Pis on s'est ramassé toute une gang. Puis là, toi, t'étais en bas, je pense, ouais. tu sais, plus VIP que moi, man. Puis t'entendais, c'était <coughs> moi, man. J'ai fait, ah fuck that, man, il faut que je sorte. Je suis sorti, j'étais allé me prendre une petite soupe one tongue, man. <laughs> tu sais, pour ah, me calmer. Ah, qui te met pas, ah ouais. Non, malheureusement, mais les lectures après ça sont sur Internet. C'est ouais. juste pour le thrill de me dire, j'ai rencontré un des plus grands. Euh, une des personnes qui inspire le plus autant la jeunesse que des personnes de 40 50 60 ans tu sais, mon père à 60 puis il adore ses lectures puis tout ouais. est un homme positif on a besoin de plus de ça euh, maintenant Ah ouais puis comment, comment tu connaissais Jordan juste par ah, ses lectures de longtemps man. Euh, YouTube YouTube ouais. c'est un outil c'est comme une drill c'est une drill tu peux frapper quelqu'un avec mais tu peux construire quelque chose mm -hmm. euh, YouTube man c'est un outil puis euh, plus tu l'utilises bien, plus ton algorithme va te donner des affaires que tu peux consommer, qui vont faire de toi un homme meilleur, ce qui est à mon avis la quête de tous. On devrait tous être une version euh, améliorée de nous-mêmes. Puis c'est là que Jordan rentre en, en scène. Ah T'sais, ouais. Puis Jordan, il y en a qui disent, ah, il est méchant avec ci, il est méchant avec ça. Il est méchant, hein? il n'est pas méchant, il va te dire ce que tu as besoin d'entendre. Mais toi, si t'es pas prêt de l'entendre, tu vas trouver ça méchant. Ouais, c'est Une grosse différence entre les deux, hein, Qui dit Chris, c'est pas normal que tu sois dehors en train de dire à tout le monde comment changer leur vie et puis tout, puis ta chambre est à l'envers. C'est pas mmh. normal. T'es rendu à ton troisième mariage ou ta septième relation cette année, puis tu me donnes des conseils de relation. Clean your room, c'est le, le principe de fix your shit ouais. avant de vouloir fixer les miennes. Puis une fois que tu fixes les tiennes, tu te rends compte que l'expérience va faire en sorte que, exemple, ton meilleur chum L'expérience va faire en sorte qu'il va comprendre à son rythme. T'as mm -hmm. pas besoin d'être là et être, euh, être son père. L'expérience, il n'y a rien comme ça. Puis c'est ça qui est le fun d'écouter quelqu'un comme lui. Euh, autant Andrew Tate, même s'il y a des affaires qu'on n'est pas d'accord. Euh, autant fucking even Donald Trump, il y a des affaires en termes de business puis tout. Il y a, y a plein de modèles masculins qu'on peut aller chercher énormément de positifs, même si on n'est pas d'accord avec l'entièreté de leurs propos. Ouais. J'ai passé avec Patrick Lagacé, man, euh, à la radio il y a quelques semaines. Puis là, euh, il me dit, euh, à un certain point dans le segment, il dit « Ah oh ben, t'aimes Andrew Tate? Ça veut dire que tu supportes les batteurs de femmes? » Je dis « Jamais. Jamais. » euh, Je prends l'exemple Michael Jordan. Michael Jordan a fait des affaires vraiment fucked up dans le temps. Michael Jordan, il était sur une autre plane. C'était un, un sais, C'était un alpha. Puis il, a, il, a, il a laissé du chaos dans, dans la vie de beaucoup de gens autour de lui. Est-ce que ça veut dire que je peux pas regarder le, le bon que ce que là, il m'apporte. Mmh. Vous avez vu le documentaire sur Netflix, c'est ouais. dans le début de la pandémie, mmh. c'était ça, puis Tiger mmh. King là, qui, ouais. qui sortait. Là. <laughs> mmh. puis, mais tu regardes ça, man, puis tu deviens boosté, ben raide, du positif, mais là l'homme, il y a du négatif derrière lui. Ouais. Mais, mais il... moi, je vais aller chercher ce qui, ce, que, ce qui peut être bon pour moi. Tu me ah ouais. que C'est là, là que je dis qu'on a besoin d'avoir plus de, de bons modèles, de s'inspirer d'eux, puis c'est pas parce que je supporte l'idée de quelqu'un sur X sujet que je supporte tout ce qu'il fait. Je suis pas un suiveur. C'est pas un suiveur, c'est pas parce que j'aime une chose que tu dis, t'es es rendu mon god, puis je te suis à 100%. Il y a des affaires que je suis pas d'accord, mais il y a des affaires que je suis d'accord, puis je vais prendre le positif pour essayer d'améliorer ma vie personnelle. Non, c'est ça, c'est comme la... Tu le message, hein? Exact. Ouais. Et puis ça, c'est une autre chose. Ce ouais. que, que, que j'aime pas de, de notre cher Andrew, c'est pas Andrew le problème, c'est que lui, il apporte un message. Mais mm. là, t'as petit kun de 14 ans qui écoute ça... Ce n'est pas le message, le problème, c'est que par le fait que le petit con de 14 ans qui n'a aucune expérience de vie, ou je, ça pourrait être quasiment 20 ans, ou peu importe, va écouter ça, et me dire, parfait, mec, je dois faire 100% comme lui. Ah, oh, moi aussi, euh, je suis sais j'ai le droit à plusieurs femmes, puis nanana, nanana. Je ouais, attends, attends, il y a des femmes qui ne sont pas d'accord avec ça, il y a des femmes qui ne veulent pas être aidées comme ça, il y a des femmes qui veulent aller travailler, ils ne veulent pas avoir d'enfants, ouais. tout le monde est différent. Fait que tu peux pas arriver, man, kick in the door, pis à partir de maintenant, j'agis comme Andrew Tate, parce que là, on parle d'un homme de 35 ans qui est devenu euh, kickboxing world champion, qui a fait sa fortune avec euh, des casinos, avec euh, t'sais, les cam girls. Il a, il a fait plein d'affaires, il a fait des milliers d'affaires pour devenir l'homme qui est. Toi, tu joues à Minecraft, pis tu fumes du pote. Fait que tu peux pas <laughs> commencer à kick in the door, pis dire, je vais commencer à traiter les femmes euh, inférieures à moi, non, non C'est même pas ça le message. Mais ton slow fucking brain a enregistré ça. Puis ça, c'est inacceptable. Mais c'est qui c'est à qui la faute? La personne qui manque d'expérience ou le messager. Moi, je pense que le message devrait pas être pointé du doigt parce que c'est un message incroyablement positif. Andrew Tate est une force positive. qui est essentielle pour les hommes, selon moi. 100%. Ouais. Mais mal utiliser le message, c'est là, là que ouais. ça crée un problème. c'est là que je comprends les gens qui, qui aiment pas ça. Parce que c'est pas normal qu'un petit gars de 14 ans ou 15 ans mmh. dise « Ah, oh, les bitches », puis il commence à parler des femmes, puis il commence à les rabaisser. Je suis comme « Non, non, non. » rien compris, toi. Ouais. » Puis tu mérites une petite claque en arrière de la tête parce que ouais. tu n'es pas supérieur à personne, c'est homme. Fait que c'est là que on parle de Jordan. On, parle, mm. on a besoin de, 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 de force positive comme jamais. Puis euh, je sais que vous autres, vous avez eu des, des petits hicks sur Instagram, puis sur TikTok, etc. à cause des choses que vous avez mentionnées. Mais on va se le dire, si une personne a un surplus de poids, « Where's the camera? It's right there, all right? » OK, là, ma grossophobie, là, on n'a pas peur de personne. Phil, c'est un entraîneur, right? Oui. Tu entraînes des gens pour vivre. Fait qu'il y a des gens qui ont des surplus de poids qui viennent te voir, qui disent Je me sens pas bien, j'ai de la misère à dormir, j ai, j ai, j ai, j ai, euh, je mange des biscuits avant d'aller me coucher, etc. Tu sais, ces gens-là savent que la discipline va leur amener une meilleure vie, right? Mm -hmm. Puis ils sont contents quand ils ressortent après un training avec toi ouais. parce qu'ils ont le, le feeling d'accomplissement. Maintenant, on donne des trophées quand tu fais rien. Ah, oh, c'est pas grave, t'es une 10 sur 10. Non, t'es pas une 10 sur 10. Non, oui, tu as besoin de travailler pour avoir. On vit dans un monde compétitif. On vit dans un monde capitaliste. On a besoin de monter les échelons. Puis ça, ça c'est encore une fois ce que je répète. Ça vient principalement de, de, de notre cher euh, Jordan. Il n'y a aucun problème d'avoir un surplus de poids. Tu as envie de manger tes biscuits. Tu as envie de vivre la vie que tu veux. Il n'y a aucun problème. Je ne vais pas être là, haha, t'es gros, grosse marde, whatever. Non, je m'en fous. Je vais, je vais te laisser tranquille. Mm -hmm. Par contre, va pas te dire aux plus jeunes qui sont incroyablement ouais, influençables. Incroyable. Vas-y mange -le tes biscuits. Vas-y fais ce que tu veux mon enfant fait ce qu'il veut. Ouais, c est c est comme là, non on a besoin de discipline. C'est ça c'est vraiment là que j'ai de la misère c'est comme c'est c'est Tu soit gros tu t'es bien dans ta peau. C'est ça. Yeah. Moi je te juge ben je te juge un peu mais, mais dans le sens que <laughs> c'est ça que tu veux faire hey, All Powers. to mais you. vas-y dans le sens ça. où tu te dirais je, je voudrais pas avoir ta vie. Non c'est ça. Parce que mais, je voudrais pas me lever avoir mal d'un genou etc puis je me dis Chris. Ta vie pourrait être beaucoup plus que ce qu'elle est ouais. si tu avais la discipline que, exemple, moi j'ai. Ouais. Mais par contre, tu pas le dieu de personne. Tu n'es pas le gourou de personne. Il y a des gens qui vont cogner à ta porte, s'il te plaît, aide-moi. Je vais t'aider. Ouais. Mais tu peux pas aller aider quelqu'un qui veut pas s'aider. C'est là que ça devient nuancé. Puis, mais où, où, où est-ce que ça m'accroche aussi, c'est quand c'est euh, de, de, de me faire croire que c'est correct. C'est correct. C'est comme si c'est comme c'est d'accepter la défaite là c'est un kid turbulent puis on le laisse être turbulent parce que c'est correct c'est comme ça qu'il est mais non faut faut le discipliner puis ouais. même chose avec euh, ton surplus de poids là. si, si t'es si genuinely t'es correct avec ça ben, mm -hmm. parfait il reste comme tu es mais mm -hmm. si moindrement que t'as un tu hein, petit un petit pincement quand tu penses à ça ben peu importe c'est quoi, là, p'tit, <laughs> ces réseaux sociaux, c'est qu'on voyait, ah, oh, il y a bien des problèmes, T'sais, on en parle aussi. C'est de faute. Non mais tu sais c'est notre faute. Non mais tu sais des problèmes génétiques puis oh, des problèmes. Ouais. Hey, écoute, euh... j'ai entraîné beaucoup de gens dans ma vie puis toi aussi d'ailleurs ouais. ça fait 10 ans que je suis dans le, le, le milieu d'entraînement. Ouais. J'ai connu une personne qui avait vraiment des problèmes de glandes puis sérieusement je sympathise avec cette femme là parce qu'elle s'entraînait trois fois par jour. Ouais. Non shit, trois fois par jour. Sa diète c'était horrible mon gars je regardais ça j'étais comme mon Dieu je sais pas comment tu fais parce que moi avoir ton problème puis elle avait beaucoup de poids. Mm -hmm. elle, euh, je comprends pas comment son corps fonctionne j'ai jamais poussé mes, mes recherches, ou jamais fait de, 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 de check-up là-dessus, mais je comprends pas comment on pouvait consommer si peu de calories, euh, manger des, des fucking rice crackers, tu sais, la fois qui goûte ouais. à rien, c'est mm. fucking dégueulasse. Ouais. Puis une diète, man, terrible, mais la femme prenait du poids, man, puis elle s'entraînait trois fois par jour. J'allais chez elle l'entraîner en plus, quand elle m'appelait, elle disait « Ah, oh, j'ai besoin de m'entraîner encore un peu. Puis » Puis ça devenait une vie. Là. Écoute, j'y lève mon chapeau d'être ouais. aussi assidu dans tout ce qu'elle fait, c'est incroyable, ouais. mais c'était une, une personne sur des milliers de gens que j'ai côtoyé dans l'industrie dans du, du, du fitness, si on ouais. veut. Fait que c'est très rare. Fait que de là à dire, du coup, ouais, des glandes... Moi, c'est là que ça, ça me gosse. C'est comme... Tu vois, <laughs> toutes les, une réponse sur deux, là, sur nos, les, les commentaires sur les réseaux sociaux, c'était ça, c'était... Oh, mais il y a des maladies, euh, c'est génétique des fois. Je suis comme, ouais, oh, OK. <coughs> toi, t'en connais combien? Tu connais combien de personnes qui ont un surplus de poids versus mmh. combien de personnes qui ont cette mmh. maladie-là génétique, comme tu parles? Yes. Le monde, ils l'ont pas. La solution reste la même. Fais attention à ce que tu manges. La discipline. C'est ça. Tout, tout est ça, basé non? sur la discipline. Peu importe ce que tu veux faire, tu veux avoir plus d'argent dans ta vie. Il faut que tu augmentes ta discipline. Euh, tu veux avoir une meilleure forme, une meilleure santé. Il faut que tu augmentes ta discipline. Tout de la discipline, ouais. c'est de faire un choix que tu n'as pas envie. Tu veux pas avoir le, le petit choc de dopamine. Dis... La, la discipline, tu penses, ça vient de où C'est qui Pourquoi, mettons, il y en a qui ont de la discipline versus il y en a qui ont de Écoute, ça va aller loin, film, mais Jordan parle. Il dit, c'est le, le, dans le fond, c'est le concept de Dieu. On pense que Dieu, c'est un homme barbu en haut. Ce n'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est le feeling que tu as quand tu fais quelque chose qui fait en sorte que tu t'améliores. C'est ça, Dieu. T'sais, on a l'air de dire, oh, mais là, on, a, on avec euh, la chapelle tu sais toutes les, les peintures, etc., on a l'air de penser que c'est juste un homme barbu ou peu importe. Ce pas un homme, C'est pas quelque chose de physique, Dieu. Dieu, c'est un feeling qu'on a dans de nous. Le feeling, quand tu te sens, le feeling d'accomplissement. Le, le... c'est puis Dieu, il y, y, y a Bouddha euh, qui, qui est très gros en, en Thaïlande. Euh, un pays que j'ai été beaucoup, euh, le christianisme est énorme en Colombie, euh, peu, peu importe où tu traverses dans le monde, ça revient tout à la même chose. C'est le feeling d'avoir donné à son, à, à, à son prochain. C'est le feeling euh, quand tu ressors euh, d'une un, salle d'entraînement, puis tu as fait quelque chose que tu pas envie de faire. C'est ça, le, le, le concept de Dieu, c'est de... de là, tu te sens vivant. Quand tu embarques dans l'eau froide, tu sais, l'Iceman, Wim Hof, puis tout, puis tu t'avais pas envie, là. Ou quand tu arrives pour prendre ta. C est, c est, c est... Je pense... Moi, je pense que c'est là que ça vient. Encore une fois, je, je quote beaucoup Jordan Peterson. Malheureusement, je n'ai pas les connaissances d'un homme aussi génial <laughs> pour bien partager son message. Mais quand, quand il, il. Moi, j'étais comme Ah, la religion. Non, moi, Dieu, bum, barbu dans le ciel, ça ne vient pas me chercher. Puis après ça, j'ai pris le temps. Puis j'ai commencé à lire des, des écrits bibliques. Puis j'étais comme Waouh, wow, il y a quelque chose de puissant derrière ça. Autant quand on était encore une fois en Thaïlande, puis que tu vas avec des moines, puis tout, puis ils te font faire le tour du monastère, ils te font prier, puis ils te font respirer, ils te font t'es tellement connecté avec le moment présent, mon gars, t'es pas sur ton téléphone. T'es pas, pas, pas ailleurs. Es quand quand t'es connecté avec le moment présent, quand t'es connecté avec l'accomplissement que tu viens de faire, c'est ça le concept de Dieu. C'est quelque chose qui nous pousse à être une meilleure version de nous. Il n'y a rien comme ce feeling-là. Tu sais, quand... quand, quand Toutes tout les jeunes ont des troubles avec euh, se comparer sur Instagram, euh... Over masturbation, comme c'est des turbo turbo-branleurs, depuis 12 ans, mon gars sont sur n'importe quel site puis tout. Euh, puis jusqu'à temps qu'il y ait des vraies connexions avec quelqu'un, puis après ça, toutes ces affaires-là, tout l'Internet, tous nos téléphones, ça, ça se dissipe. Là. Quand tu arrives à trouver un moyen de te recentrer, nous autres, ça nous a pris du temps. C est, c est, ça prend du temps à un jeune brain qui a vu tellement d'affaires. Ça, là, c'est un poison. Hein. Ben, c'est pas un poison, excusez-moi, c'est un outil que mal utilisé, ça peut détruire ta vie un téléphone, parce que tu as accès à, à tout. Là, ouais, exactement. Red, ouais. Peu importe, c'est quoi que tu, tu consommes. Si tu juste là en train de regarder des, 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 des shows, euh, peu importe ce que tu consommes, si c'est pas quelque chose qui peut t'aider à devenir une meilleure version de toi, à mon avis, tu perds ton temps. Puis ça, ça prend du temps avant de te rendre jusque-là. De là vient euh, pourquoi Jordan Peterson est aussi important avec plein d'autres figures masculines. Je, je pousse beaucoup vers les figures masculines parce que j'ai été, été un jeune homme. Je suis rendu à 27. On, a, on est tous rendus des grown up, mais on n'arrête jamais d'avancer, right? Euh, ça, ça m'amène à euh, ma, ma, ma fiancée, Clarence, qui est avec nous ici en studio. What's up? Mm. Euh, J'essayais de trouver des, 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 des figures féminines inspirantes. Puis, c'est pas des shots, mais c'est la triste réalité de la chose. Et Exemple, notre algorithme sur TikTok, ça va être souvent quand les filles parlent de cul. Puis, tu sais, moi, je trouve que ça, ça devient. C'est pas dégradant. Tu as, as le droit d'avoir la vie sexuelle que tu veux. Mais moi, de me dire, crime, je suis une femme, j'essaie de faire le meilleur podcast possible, j'essaie de créer le meilleur contenu. Therefore, je dois parler de mon cul, je dois parler d'ananas, je dois parler de sucé, je dois C'est tout le temps sexe, sexe, sexe pour aller accrocher le monde. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est un sujet qu'il y a beaucoup de monde qui consomme. Il y a des gens qui sont curieux derrière ça. Mais. J'essaie de regarder quelle femme au Québec a un impact grand, ou au Québec ou dans le monde un impact grand sans que ce soit en iFan, e Q ou, euh, ou euh, en tout cas des affaires ouais, qui ont rapport chanvre. avec ça. Ouais. Puis là, c'est dérangeant un petit peu parce que moi, il y a, y, a, y a plein de femmes qui sont dans ma vie. Puis j'aimerais ça que les autres puissent savoir leur Jordan Peterson féminin. Tu sais, genre quelqu'un qui peut dire waouh, moi je les regarde de haut. Moi, j'en ai un exemple, c'est Casse, c'est l'oignon son nom. Ok, Casse l'oignon. Est-ce que vous savez, c'est qui Ça me dit quoi, ce nom C'est la, la conjointe de Max Boudreau. Right Ok, cool. Je vais juste m'assurer que les, <laughs> les noms sont beaux. Max Boudreau. C'est lui, il lui, a Walk-In. Tu sais, W-K-L-N ou L-K-N. exact, ça, c'est une grosse compagnie. Puis, elle, dans le fond, ce qu'elle a fait, elle est rendue avec ses bouteilles de vin elle a des, des, des salons de beauté euh, elle a les. Euh, c'est quoi le livre des recettes elle a un, un livre de recettes, puis tout, tu sais. Elle fait plein d'affaires, cette fille-là. Puis il y en, y en a qui vont. Des fois, je vois des commentaires passer, puis oh, on sait bien, son sont chums j'écoute, je connais beaucoup de filles que leur chum, a beaucoup d'argent. Puis ils ne crissent rien, eux autres, là. Puis oui, ils sont sûrs, on les fun, puis toutes ces affaires-là. Tandis qu'elle, man, elle est servie de l'influence, puis les deux se sont ralliés ensemble. Un couple tellement powerful, ils sont le fun à, à suivre sur les réseaux sociaux, si vous voulez. Puis. Pour moi, c'est important, encore une fois, je reviens à ce que je dis depuis tantôt, c'est d'aller chercher, avec notre téléphone, qui est un outil, le plus de figures influentes possibles, que ce soit masculin ou féminin. Parce que là, il y a beaucoup de divisions entre les deux sexes. Ah, oh, euh, le, 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 le. Ça, c'est un autre topic <laughs> qui peut nous amener loin en estime, mais on, on est tellement plus fort à deux, les femmes et les hommes. Il oui, faut ouais. arrêter, man, d'écouter des podcasts. Les hommes, c'est des si, ou là, les filles, c'est des... même, les bitches. Je suis, des... hey, man. Si vous êtes fatiguant à écouter, Calis, ouais, pourquoi peur, ouais. arrêtez d'essayer de vous piler dessus? Parce que la femme et l'homme ensemble, c'est la force la plus, la plus puissante de l'univers. Créer la vie et ouais. tout, ouais. exactement. Là, 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 vous allez me dire, les hommes peuvent être enceintes et tout, je ne suis pas prête à aller là, right? OK? Là, on n'ira pas là aujourd'hui. Right? Bon, <laughs> <c 'est rire> <bon> Insultez-moi <laughs> insultez mon, 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 sur mon TikTok, ça me fait plaisir de, de, ouais, de mais vous mais... regarder et je verrai. De... <laughs> pour continuer à ce que tu dis, c'est parce que... Ces gens-là, que souvent, on va, on va parler de... On va mentionner qu'ils sont extrémistes, comme, mettons Jordan, euh, Andrew Tate, Matt Walsh, tout le monde qui sont un peu plus... Rogan aussi, qui est souvent étiqueté de la qui droite. Qui n'a jamais été... Euh, ouais. Il a jamais voté droite de sa vie, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, Elon Musk non plus. Ouais. Tu sais, c'est toutes des gens qu'on essaie, comme tu dis, de peinturer de la droite, de l'extrême droite, mais c'est comme Mais il y a une raison pourquoi ils sont, sont là, eux autres, parce qu'il y a du monde, qui tire énormément de la gauche, puis ils sont ouais. comme... qui sont... D'une idéologie wow, mm -hmm. de l'extrême gauche, qui c'est comme non, non, Puis ce monde-là, souvent, ils pensent que it's the end-all, be-all, ils ont tout le temps raison, puis c'est eux. Fait il y a une raison pourquoi c est, c est, ces gens-là sont là, qu'on nous on, qu on, on on, admire. On admire ouais. Parce que ce monde-là de la gauche, ils, mm -hmm. ils tirent un message que, qui ne nous rejoint pas. Mm -hmm. ou que, Mais check, que... moi, là, moi, ce que je suis, là je mm -hmm. suis de l'ancienne gauche. La gauche de nos grands-parents déteste le gouvernement. Se demandent pourquoi on paye autant de taxes, déteste les industries pharmaceutiques. Après ça, quand c'est le temps de parler de race, l'ancienne gauche, c'était que tu sois asiatique, que tu viennes du Congo, du Sénégal, peu importe, on est tous humains. Mm. On est tous ensemble. Tandis que la gauche d'aujourd'hui, c'est vaccin. Après ça, c'est. On est tous différents. Si tu es noir, désolé, je me mets à terre, etc. Je m'excuse pour ce que mes ancêtres ont fait ou non, non, non. Tu il y a tout le temps. et euh, on... Maintenant, on met tout le monde dans plein de catégories différentes. Ouais. Un peu liber, libertarian, c'est comme ça que ça s'appelle? C'est le... -ce quoi le, le, le mot en français? Liber, liber, libertin? Libertin, ça doit être ça. Genre un peu mais comme si, tu four, ouais. Ouais. si tu crées plein de groupes, va-t'en dans un gymnase, OK? Puis mets des gars avec des camisoles rouges, euh, des, des gens avec des camisoles vertes, etc. Puis si tu crées plein de petites équipes, divisions, qu'est-ce qui va arriver? Des conflits. Il va avoir un esprit compétitif, ça va monter. Puis là, ouais. ça va être toi contre moi, toi contre moi, toi contre moi. Mais on est tellement plus forts ensemble, c'est pour ça que j'aime l'ancienne gauche anti-gouvernement. Moi, quand je me fais enlever 40 000 d'une shot d une, d une, d après une performance, là, je regarde mon chèque, puis dans le fond, je me fais taxer directement. Je suis là... Tabarnak à vous, cet argent-là, man. J'utilise pas notre système de santé, mais qu'on a un système de santé incroyable en, en termes de... de, de euh, les enfants. Ici, il y a des gens qui ouais. viennent à travers le monde pour notre système de santé. Ouais. Les brain surgeons, je connais un homme <coughs> qui a fait une, une chirurgie de, de 36 heures pour le jeune Victor, qui est le fils à mon coach, euh, dans, dans son brain c'est vraiment un top docteur vraiment incroyable fait que j'ai rien contre notre système de santé euh, loin de là c'est juste quelque chose que moi j'utilise pas puis je suis pas de ceux qui vont aller voir un, un docteur qui va me dire ouais prends cette pilule là tu vas aller mieux ah puis après pas ça prends celle-là prends des antidépresseurs prends ci prends ça mal à la tête prends ça puis je trouve que tout l'humain est beaucoup plus fort qu'on pense puis encore une fois avec notre téléphone on peut chercher exemple Wim off man je suis jamais malade puis j'embarque dans, dans glace, euh, on fait des trous dans glace, mon gars, on rentre là-dedans, on respire puis tout, on challenge notre système nerveux puis tout. Il mm -hmm. y, a, y a plein de choses qu'on peut régler. Beaucoup plus naturel. Arrêter de consommer du, 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 du sugar, le sucre, man, ça tue. Tu es le premier à le savoir. Tu sais, mm -hmm. dans ta diète, là, tu te cales pas un 2 litres de jus d'orange quand tu te réveilles, right? Non. Non, c'est ça. Il y a, y a plein de choses euh, qu'on qu peut aller chercher sur le net qui peut nous guérir. Puis là, c'est là euh, excuse-moi, pas Jordan, Joe Rogan embarque. Andrew Uberman, euh, dans, dans ses... Euh, tu sais, lui, c'est un scientifique, mon gars, de la santé, mais fois mille. Après ça, il y a bon, celui... C'est euh... ouais. uh, ah, mais man, es c'est tellement man. tough à suivre. Oh, ah, ouais. là, parce que hey, okay. oublie ça. Là, moi, j'ai mon brain de fighter, mon gars. Tout est va... objectif. Tout es <laughs> est comme... Il n'y a, y, y a ouais, rien ouais. de son opinion qui va là-dedans. C'est uh -huh. ça qui est cool. Il a déjà écrit son document, puis il lit son document, puis t'es comme... C'est sûr qu'un un podcast de 2h45 mais ben tu break down là, tu, tu peux pas... ouais, okay, il, est comme ouais. il est monotone aussi un ouais, peu là je me sens vraiment comme quand j'étais dans mes cours à l'université Ouais là, vraiment comme, ouais, ouais. mais ça, ouais, il a raison c'est gratuit guys puis c'est incroyable tout le knowledge qu'on peut tirer de ça tu des problèmes de sommeil écoute ça Deux heures et demie d'écoute il peut t'avoir donné cinq trucs qui peuvent changer mmh. ta vie carrément là c'est comme c'est c'est touché <coughs> parce que Justement, il y a de la bonne information comme ça qui est gratuite sur le net, que tu peux aller t'éduquer et yes. que tu n'as pas besoin de, nécessairement d'aller à l'école. Ça expose mais, le fait que l'école est brisée. Mais Mais d'un autre, autre côté, par exemple, tu as beaucoup de misinformation, de la mauvaise information. Fait que là, c'est comme le, le jeune qui n'a pas un cerveau assez critique ou analytique puis pour déchiffrer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas qu vrai. Essaie? Ouais, c'est ça. J Essaye. Mais là, après ça, il... c'est comme. S'il veut, s'il se dit, ah, euh, oh, moi, les... j'ai essayé les cold showers, ça l'a rien fait. Ouais. Euh, fine, ne fais-le pas. Ouais. Tu sais, l'affaire, c'est important ce que tu viens de souligner parce que tu, tu peux aller sur Internet et regarder pourquoi les choux c'est bon pour ma diète. Puis ouais. pourquoi c'est mauvais pour ma diète. Il va y avoir 50 euh, studies qui disent que c'est bon, 50 studies qui disent que c'est mauvais. Essaye-le. Moi, je rien contre les gens qui veulent être vegan. Tu veux ouais. être vegan, go for it. Ouais. Puis après ça, tu me diras comment tu te sens. J'ai un bon ami euh, qui, qui l'a essayé, la diète végane. Il l'a fait pendant deux ans. Puis à un moment donné, Chris, euh, il, il, il était plus capable de, de, de subsister. Puis ouais, son ouais. corps, il, il a des déplit, etc. Puis là, il a rembarqué tranquillement avec des œufs, avec plein d'affaires. Puis Crime, là, c'est rendu un climber, il est coche euh, Tu sais, il est en forme. Puis ça, ça a changé sa vie. Mais au moins, il a l'expérience d'avoir essayé. Ouais. Il s'est dit je vais essayer. Si jamais ça marche, tant mieux. Si jamais ça marche pas, tant mieux parce qu'il y a d'autres alternatives. C'est ça. Tu me suis Fait que quand, quand t'es pas sûr de quelque chose, teste-le parce que ce qui est bon pour toi est peut-être pas bon pour moi. Non, c'est ça. Le cold exposure, il y en a qui aillent ça. Je non. déteste moi, moi aussi, là, mais je me sens tellement vivant. Là. La tête en dessous de la glace. C'est normal. Tu vois... Ouais, mais c'est normal, t'ailles ça parce que ton corps ne <laughs> va jamais s'habituer. Mm -hmm. C'est ce qui fait en sorte que à tous les jours, tu fais un, un mouvement euh, volontaire puis que tu sors de ta zone de confort, mais mm -hmm. ça va être la même affaire dans le lendemain matin. Tu seras jamais habitué à ton function. Yeah. Tu ne seras pas genre Hey, je suis bien maintenant, jamais. C'est ça qui est bon avec de ça. C'est là qu'on parle de discipline. Ouais, quand tu exact. fais quelque chose qui te tente pas, mais après ça, le feeling que tu as quand tu l'as accompli, mm. c'est incroyable. Mm. Puis ce feeling-là, ça ne se recrée pas en se disant ah fuck, prendre ma douche. Heureux, faut il Plus tu quittes plus tu t'en veux, puis plus tu crées du resentment dans, dans toi, puis plus t'es frustré ah, dans ta journée. Tout. Hier, justement, j'en parlais avec ma conjointe par le fait que, d'habitude, le dimanche, c'est la journée où on, on, euh, tout est by the book. Là. On prépare les miens, on prépare telle affaire, on prépare la semaine, etc., puis hier, euh, excuse-moi, samedi soir, j'avais des gars qui se battaient à Sherbrooke. Donc, on est revenu de Sherbrooke, qui était comme 4h du matin. Il y avait John Jones aussi contre mm -hmm. Francis Ngannou, qui était incroyable. Puis c'est ça, on avait des gars qui fightaient, on est revenu tard, on s'est réveillé super tard dimanche. Fait qu'on n'a pas accompli tout ce qu'on s'était dit qu'on allait accomplir. Puis ça vient de chercher en dedans. Mm. Là, tu deviens un peu pas, pas fru, là, puis tout. Mais tu sais, ça vient de chercher en dedans. Tu te dis, Chris, j'ai pas été aussi discipliné que je j'aurais aimé. Puis ça, ça se ressent. Fait que la presse était comme Chris. Euh j'aurais pu en faire plus aujourd'hui. Puis là, tu t'en tu, 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 tu veux un petit peu, mais après ça, tu te rattrapes ouais, le lendemain matin et euh... tout. Mais le feeling, quand ça ne tentait pas de faire quelque chose, puis tu le fais, incroyable. Mmh. ouais c'est mmh. vrai. C'est de, de vaincre cette petite barrière-là, euh, cette, 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 barrière cette résistance-là, ouais. là, justement, là, qui fait que ça relâche beaucoup mmh. d'hormones, de, de, pas juste au niveau... Euh, c'est pas juste du fluff, mm -hmm. c'est actually, tu sécrètes un niveau d'hormones euh, que tu pas si tu pas passé à travers cette résistance-là. Si tu ne l'avais pas faite, exactement. Non, c'est <laughs> super important. Mm -hmm. Puis ouais. un topic qui est important pour moi, c'est l'expérience. Il n'y a rien comme l'expérience. Moi, j'ai fait je pense l'année passée, j'ai fait six fights d'affilée. J'étais fucking burn-out. Quand je suis arrivé à Paris, là, je n'étais pas supposé être là. Puis, euh, puis tu sais, il y avait Georges, Kamaru Usman, Francis Ngannou. tu tout le monde était là, Cyril Gann en main event, tout. Puis, c'est supposé être comme le, le top de ma carrière, mais vu que je voulais tellement faire partie du UFC Paris, que, que, que après mon combat contre le numéro 14 au monde, Shane Burgos, ouais. qui était une décision controversée, mais c'est pas grave. Tu sais, Dana, Dana, Dana White a euh, donné quand même du bon bacon, fait qu'à la fin de la journée, on, on est des jeunes hommes heureux, accomplis. <laughs> euh, puis là, j'étais vraiment. Puis les nutritionnistes, toute l'équipe disait Man, c'est peut-être pas une bonne idée de partir à Paris dans, dans quatre semaines. Puis toi, tu sais, t'es encore bossé là. Puis je dis, Non, je veux le faire. Puis j'ai perdu par décision. Puis tu sais, dans ma tête, France, UFC France, ça va être le plus gros moment de ma vie. Puis là, ça m'a ça fait mal en esti. Puis après ça, j'ai vu Daniel Cormier, j'ai vu euh, plein, plein de tops de, de, top de l'UFC qui m'ont dit Man, Chris, t'as fait six fêtes. La plupart des gars, ceux qui en font beaucoup, en font quatre. T'en as fait six. Ça, ça implique six coupes de poids c'est euh, le, le, le stress aussi de chaque mm -hmm. performance, etc. T'sais, performer devant des crowds, après ça, voyage là-bas, habitude décalage horaire de la France, après ça, ci, ça, ça. Man, j'étais fucking burn. Puis là, ça va faire six mois que j'ai pas entré dans l'Octogone. C'est la plus grosse pause que j'ai jamais faite, puis je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis jamais fait. De faire un pas de recul, man, puis après ça, les, les, j'ai vu, j'ai un, un bon ami qui me dit « Regarde tout ce que t'as fait. » Après ça, je suis comme Chris. Je, je suis tellement focus sur accomplir des choses que j'ai pas pris le temps de regarder tout ce que j'ai accompli. Mm -hmm. Tu sais, je t'arrive à l'UFC à 23, ce qui, ce qui est quand même fucking big. Tu sais, la plupart des gens arrivent dans leur pic euh, 26, 27. Euh, puis, tu sais, les, les gars, ils ont leur pic. La plupart des champions, ils ont tous 30 et plus en ce moment. La, la average d'un champion en ce moment, c'est 32. C'est fucking five years pour moi. c'est Dans l'UFC, en ce moment, t'es quoi T'es cinq, trois, quatre défaites Quatre, cinq. À cause de l'affaire avec Burgos et ouais. tout. Puis là-dedans, il y en a deux qui étaient dans des catégories plus hautes, des fights dernière minute. UFC, m'aime beaucoup, parce que quand ils m'ont redonné un contrat, même si j'ai une carrière rocambola, si on veut, peu importe les résultats, j'ai toujours show up. Je n'ai jamais pull out d'un fight, même si j'avais mille et une raisons. Euh, je suis un bon euh, sais Je suis là pour la compagnie. La compagnie est là pour moi. Euh, Dana White m'aime beaucoup. À plusieurs reprises, j'ai eu des décisions. J'ai eu une split contre Philly. J'ai eu une, une décision partagée contre euh, euh, Burgos, qui était le numéro 14, qui est un, un putain de monstre. Euh, j'ai eu plein d'affaires après ça. Last minute contre Julian et Rosa. Finalement, il ne peut pas faire le poids. Il faut monter d'une catégorie. Puis t'sais, t'sais, tout ça arrive. J'ai tout le temps dit oui, 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 oui. oui. J'ai tout le temps show up pour eux autres. C'est pour ça qu'ils m'ont signé un autre. Euh, un autre four fights. Moi, je ne m'attendais pas à ça. J'étais comme Chris. Euh, je ne m'attendais pas à ce que UFC m'appelle et qu'ils me disent OK, Charles, Dana, il t'offre ça, ça, ça. Puis là, mon manager, il a bien travaillé. Il y a des, une excellente relation avec euh, Dana parce que c'est lui qui a apporté Georges, David Loiseau, Patrick Côté. Tous les gars, OG, ils étaient tous de TKO avant. Puis c'est tout euh, mon manager en ce moment, Stéphane, qui a tout apporté ces gars-là. Fait qu'il m'a donné un nouveau contrat qui est qui true the roof pour moi. Là, je ne m'attendais pas à ça. Puis là, il a dit Man, tu es tout le temps là. Tu jamais plein. Je, je suis pas là sur Twitter à dire Oh UFC paye pas assez. Non, 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 je suis jamais en train de complaindre. Tu sais, j'ai commencé mes premiers contrats à 12-12. C'est comme si tu à NHL puis euh, tu ferais. les tu autres font des salaires de fou. Mais euh, c'est comme si tu arrivais à NHL et tu fais 50 000 pour l'année. Le monde va comme faire Chris euh, sont où mm -hmm. les millions, ils sont supposés faire plus que ça, les jeunes. Fait que euh, c'est ça. Fait que euh, moi j'ai parti aussi à 12-12. J'ai fait mes fêtes. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu veux dire 12 /12? à 12? 12-12, c'est dans le fond, tu show up, tu te bats, as 12 000. Okay. Plus 12 000 si tu gagnes. Okay. Là, je suis rendu à 75-75. Okay. Est... chris. Moi, je suis content avec ça. Ouais. C'est la moitié d'une maison. Euh, ben, Peut-être pas maintenant, à cause de l'inflation, tabarnak. <laughs> Mais euh, je suis rendu à 75-75 malgré euh, ma fiche de 4-5. 4-5-1, parce que j'ai aussi draw, eu une ouais, draw, man, que j'avais. J'avais gagné le 2 puis le 3. Je me suis fait fuck souvent par les juges. Okay. Parce que si le draw, je l'avais gagné, si la split avait été de mon côté contre Philippe, si la décision que, que tout le monde, dont Dana, Cormier, tous les, les, les OG l'ont dit, Chris, t'as gagné. Mais il suffit d'un juge, mon gars qui se décrotte le nez ou qui, qui se dise, euh, j'étais dans l'état de New York quand je me battais contre le New Yorkais. Il y, y a plein de gamiques. Parce que c'est pas l'UFC qui, qui tient les refs. Euh, pas les refs, excuse-moi, la commission athlétique. C'est deux entités complètement différentes. Puis souvent, UFC a beaucoup de clash avec la commission athlétique parce que quand tu fais perdre un gars, tu lui fais perdre la moitié de sa bourse. Ouais. Fait que, tu sais, moi, là. je fais 75. Puis là, Chris, c'est un petite serré, mais j'ai quand même gagné. Là, tu te dis, ah non, finalement, c'est l'autre. C'est pas, ah, oh, gars, c'est pas grave, ça arrive, tu viens de me faire, tu viens de me faire perdre 75 000 ouais. qui est de l'argent, Chris, en ouais. toi et moi. Fait que c'est là que c'est le fun d'avoir Dana, tu sais, à chaque fois qu'il arrive, puis qu'il vient voir, tu sais, hey, kid, puis tout. Puis là, il, il, il nous signe des chèques, tu sais, on the save. Moi, je suis comme, OK. Au moins, tu sais, ça me met le sourire de, de il m'aime bien. Je show up, je me plains jamais. Puis là, euh, malgré le revers à Paris, il m'arrive avec un nouveau contrat, avec une augmentation. Moi, je suis content à fond. Mais j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai ouais. prouvé que j'étais un company man. Puis eux autres, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont aimé ça. Je m'en allais où avec tout ça euh... Mais là, ouais, <coughs> pendant que tu réfléchis oh, oui. à ça, là tu, là, tu viens de dire que tu as re signé un contrat. Yes. Mais là, ça fait six mois que t'es pas allé dans le. Si, yes, 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 c'est là que j'allais. Dans le fond, le pas de recul. Le pas de recul, malheureusement, il y a eu une bonne. Puis merci à ma blonde, Clarence, de m'avoir sorti de ça. Tu sais, j'ai regardé mon, mon screen time. Là. Parce que, tu sais, d'habitude, je m'entraîne deux fois par jour, every fucking day. Mais là, C'était genre une fois par jour. J'absorbais du, du nord. Je laissais mon corps relaxer de toutes les coupes de poids. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu pars de 165 livres, de 100 à 145, every two months, t'sais, tu perds 20 livres. Je suis pas quelqu'un de big, mais tu sais, c'est tout le temps coupé. Puis, tu sais, vous avez vu, les gars, c'est pesé. Ils sont déshydratés en esti. Ouais. Fait tu sais, si tu fais tout le temps ce cycle-là, ton corps, il en veut plus. Je te de faire ça. Ah, man, c'est fucking insane. Man, même mon frère Louis, il est rendu à 125 livres. Puis, tu sais, il part de genre 155. Puis il descend jusqu'à 100, fucking 125 livres. Mais donne-nous un timeline, genre de quand tu commences, puis quand tu reprends ton poids. All right. Si tu es un nutritionniste, il va tout checker ton poids. Moi, j'en ai un, un spécial. C'est un gars de Toronto. Puis lui, dans le fond, à chaque jour, j'y envoie mon weight. Puis lui, il calcule mes affaires. Il me donne des processus de réhydratation, etc. Là, je me tiens à peu près à 165. Okay. Puis je me bats à 145. Mais ma masse musculaire a augmenté. Puis à cause des six mois, j'ai fait beaucoup de training en hypertrophie. Beaucoup mon corps a grossi, mes jambes ont grossi. Puis tout. Parce que, encore une fois, une affaire que j'ai de la misère, c'est la lutte. Ça venait du fait que j'étais très explosif avec les kicks, avec les strikes. Mais il me manquait un peu de, de méchant. Il me manquait un peu de, de meat, si tu veux. Fait que mon poids, il avait augmenté. Je pense que j'étais rendu à 170. Puis là, euh, je me bats dans deux mois à UFC 288. Euh, puis. Euh, c'est ça. Là, je me tiens à peu près à 162. Fight week, la semaine du combat, je devrais être à peu près 155. Mais tu sais, shredded fucking lean, mon gars, man. Euh, tu sais, avec les veins partout. Pis ça, ça fait du sens. Euh, avec le protocole qu'on suit. Fait que là, après ça, il te reste à peu près 10 livres d'eau à perdre. Pis là, 10 livres 10 d'eau, ouais, c'est ça. Prends un, prends un dumbbell de, de 10 pounds. Pis pense que c'est de l'eau, là. Tu ouais. sais, dans, dans un sac. C'est gros en tabarnak. Fait que là, euh, during the week, tu sais, on fait. Euh, on arrive le lundi au venue, puis on fait la pesée vendredi. Après ça, là-dedans, tu étais Media Day. Euh, les Media Day, c'est signer les posters, rencontrer justement les médias, prendre les photos, faire des, des vidéos avec le UFC. Ils ont un TikTok UFC, il est hilarant, ils sont son pissants <laughs> là-dessus c'est tout le temps créer du contenu mais pendant ce temps-là t'es déshydraté t'as les jours rentrés par dedans puis tu vois quelqu'un boire une bouteille d'eau de même tu carré de boire devant moi mais c'est ça que tu commences à déshydrater puis là c'est ça tu dois t'étourdir là genre je genre la semaine du combat quand je me lève trop vite genre je peux tomber genre faut les gars avec moi ils disent non c'est fucking pas bon mais par contre moi, je ne le fais pas au point drastique de certains gars. Alex Pereira, mon gars, c'est un putain de monstre. Là. Celui qui a battu Israël Adesanya, je pense qu'il remonte à, à 2,20 pour le fight. C'est un monstre, puis il se bat à 185. Mais ah, lui, il gros. coupe du poids, mon gars, là, genre 10, moi. Mais par le fait qu'il y, euh, y a plus de muscles, parce que l'os réside dans, dans, dans tes muscles. Fait que plus, plus as un lean mass, plus, plus tu peux perdre d'eau. Plus t'es grassouillet, va, va, va pas fucking perdre... De... 12-13 livres d'eau quand t'es grassoyé, mon gars, tu vas crever. Ton cœur va, va vouloir stop, ton brain va shut down, pis toi, tu, tu vas... c'est vraiment pas bon. Fait que c'est ça. Fait que, euh, dans le fond, tu te réveilles euh, le vendredi matin. J'ai souvent fait des bains le jeudi soir. Fait que là, j'étais à peu près 152. Fait que là, je euh, peux perdre jusqu'à 146. C'est ça que je dois perdre parce que nous autres, on a une limite, c'est 145 à 146. C'est ça qu'on doit jouer uh, play-in. Fait que là, tu te réveilles, la pesée est à 10 heures, on se réveille à 6 heures du matin. Là, on met une crème, ça s'appelle une sweat cream. Tu mets ça sur ta peau, puis ça ouvre tes pores de peau. Fait que tu, tu te vides ça partout dessus, man, tu te cream le body, puis après ça, tu rentres dans un pocket sauna. Fait que tu rentres là-dedans, tu fais 15 minutes. Déjà là, man, tu viens de, de sweat à fuck. Là. Tu viens de perdre au moins une ou deux livres. Les 15 minutes, après ça, tu fais de la momie. La momie, c'est que tu rentres, ils ont mis des serviettes, ils vont t'envelopper avec les couverts, puis tout. Fait que là, tu sais, tout ce que tu as, c'est euh, la tête. Tu sais, juste le, le visage qui sort, puis tu manges de la glace. Moi, je fais, crrr, crrr, tu croques la glace, puis c'est la, la seule chose que tu as le droit d'ingérer. De, de, puis tu sais, pendant cette semaine-là, tu pas beaucoup mangé, right? Le UFC te fait tes plats, etc., mais tu manges pas beaucoup, mais tu manges. Quand tu manges un plat, bro, ce qui est bon, man, c'est ce qui est gras, des huiles. Des, des épices, du sel. Mais tout, toutes les épices vont faire en sorte que tu vas retenir ton eau. Ouais. Tu ne peux manger aucun sel. Quand qui arrive avec les beaux plats, c'est du saumon, c'est des affaires de même. J'ai ça, c'est comme manger du carton. C'est beau, du steak, plein d'affaires, mais il n'y a pas de goût. Il dry le meat, il n'y aura pas de sang, il n'y aura, euh, aura pas de beurre, il y, y aura pas rien de salé. C'est fucking horrible les, les mir là-bas. C'est beau, c'est bien présenté, c'est ça coche C'est cool pour eux autres de nous donner ce qu'on a besoin pour les trainings pendant la semaine. Mais ça goûte le carton. T'sais, au point que des fois je me lève, j'ai même pas envie de manger leur affaire, puis je mange pas. Fait que là, c'est ça. Tu fais son 15 minutes, après ça 15 minutes de momie. Tu répètes le process jusqu'à temps que tu aies perdu tes 8, 9, 10 livres. Fait que ça peut être long. Des fois, man, à un moment donné, ton corps, il veut plus. Il arrête de souhaiter. Fait que là, il faut que tu fasses calmer ton système, il faut que tu ailles à terre, tu respires et tout. Mais tu sais, pendant ce temps-là, tu as les jours rentrés par en dedans, mon gars, man, t'es fucking drained, man. De quoi de, 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 de terrible? Puis, euh, tu sais ça, tu répètes le process until you get to euh, 146. Après ça, tu descends en bas, t'embarques sur le scale. Après ça, vous embarquez dans un. Euh, euh, tout dépendamment où est-ce qu'elle est la venue, mais vous allez là-bas, euh, vous faites le way in. Après ça, vous commencez à réhydrater. Puis pendant que les gars se réhydratent, on se prépare pour faire le face-off. Fait que ça ressemble à ça à peu près. C'est fucked up. Mais Et... fait que là, toi, t'as 24 <laughs> heures du temps qui te pèse au fight pour... pour réhydrater, exactement. Moi, je reprends à peu près. Euh, approximately genre 13 livres je reviens à peu près à 158 euh, 13 livres, c'est quand même beaucoup là comment bah tu oui. réhabites ton ah corps ah non il y en là. a qui reprennent 30 40 cabib c'est ça qui reprenait à peu près 35 livres comment ton corps s'habitue à ça quand tu vas, tu uh. vas genre battre contre un autre homme ben c'est parce que ton corps va vouloir absorber tout ce que tu lui donnes ouais. mais tu sais moi j'ai pas mais tu te sens pourrais, pas vache si pourrais... t'as pris plus 30 non, livres non non, non 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 tu te sens bien mais dans le fond T'as drainé tes ouais, muscles, puis après ça, t'es hors ouais. de De bonnes choses. tu sais, quand tu reviens, tu ne manges pas une pizza et un carbonara. Tu manges des affaires qui sont fucking clean. Puis tu sais, il y a le processus de réhydrate avec des liquides spéciaux, de la glycérine. Il y a plein d'affaires spéciales qu'ils mettent dans les shakes, des acides aminés, peu importe. Ils ont une grosse formule vraiment intéressante pour être sûr que les gens se ça, c'est ton UFC équipe? PI, le, ah, le, okay. le Performance Uf... Institute. Eux autres, dans le fond, tu signes. Est-ce que je prends les services du PI ou pas? Okay. Puis moi, je les prends tout le temps parce que j'apprends de quoi de fou. Là. Ah ouais, comment hein? ils font les meals, comment ils font le processus de réhydrate. Fait que quand j'ai des gars qui se battent amateurs ou pro, euh, pas encore au UFC, ben, au moins, on a tout ça. On a ce bagage-là que moi, j'ai vécu que je peux partager avec eux autres. Ouais. Pour euh, Mon petit frère, lui, il n'a jamais repris autant de poids entre ses fights. Il se bat à 125 puis je pense qu'il réhydrate à 145. Fait que il reprend 20 pounds. Mais pour moi, puis Louis, on n'est pas des gros wrestlers qui veulent juste t'apporter contre la cage et te garder là. Nous autres, on a besoin de garder notre, notre, muscle, notre fast twitch muscle fiber, ce qui veut dire que je dois kicker et je dois ressortir. Je dois faire mal puis je dois sortir. Je suis pas de ceux qui veulent gagner énormément de poids. Il ouais. y a des gars qui sont pas mal plus gros que moi, mais plus tu reprends du poids, il y a, a de bonnes chances que la fatigue s'installe ouais, aussi. Ouais. Parce que tu overload tes muscles. C'est pour ça que moi, je garde ça quand même assez petit. Fait que, les chiffres que je vous ai donnés, c'est des, des chiffres un petit peu plus bas que l'average. Il y a des gars, ben, c'est 15 average, 20 average, 30, 35 livres. Il y en a un, euh, Johnny Hendrix, euh, le dernier combat de GSP à 170. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y avait une grosse barbe. Puis Johnny Hendrix était battu contre George. Puis lui, man, il avait repris 40 livres, mon Damn, gars, mec. pour le fight. C'est horrible. Tu te sens comment Mettons au niveau énergie. Quand Moi, tu déshydrates ouais. de même, puis après ça, tu, tu refuel, tu, euh, Fight Night, t'arrives-tu, puis tu, tu pètes d'énergie Ou 100 tu sens hein? ouais. eu Tu as eu une bonne nuit de sommeil, tu as, as mangé des bons aliments, puis toi, tu te sens pas trop lourd, tu te sens pas trop léger. Puis Puis dans le fond, c'est ça qui est arrivé à Paris. D'habitude, je réhydrate de 146 ou 145 à peu près à 158, 160. À Paris, à cause du décalage, puis à cause que j'en ai trop fait, mon corps me dit fuck you, je suis écœuré. Je veux un break. Mais. En plus, je savais, j'avais tous les indicatifs de pas me battre sur cette, cette carte-là, mon corps était snap, j'avais un ligament même sauté dans le pied, j'avais la main explosée, mais je voulais le faire. Puis je le regrette pas parce que j'ai pris une décision comme un homme, puis j'y fais face comme un homme, right? Je je me suis battu devant UFC Paris, c'est un moment historique, c'était le premier événement que Paris faisait, right? Mais j'ai descendu de 160 à 146. J'ai réhydraté à 147 livres en 24 heures. Je vomissais, mon gars, ma vie. J'étais incapable d'ingérer rien. Puis tu me vois, tu sais, genre, même, on a comme environ 8 heures avant d'aller faire le face-off, puis tout, là. Puis tu me vois flex, mon gars, là. J'étais tellement mince, tellement petit, j'étais là, aïe, ah, yeah, man. Puis Fabio, mon coach, il le savait, là. Mais je pas dit, je l'ai pas dit à personne d'autre, mais j'étais comme, man, je suis ici Puis là, quand j'ai fait la. la, la la Wayne in avant le combat, quand le gars dit 147, il dit c'est pas normal ça. Fait que là, je, je sais. Mais fait que là, les gars du PI ont dit Charles, on l'interdit de se battre encore pendant environ 4 mois. Là, ça en fait 6. Mais là, on a signé un combat important qui a qui, deux contre un gros nom que malheureusement, je ne peux pas partager encore. Mais. Euh, il va être où le fight euh, Dans l'état du New Jersey, parce que le main event, c'est Algemene Sterling contre Henry Cejudo. Fait que C'est un, un combat chez les 135 livres. Euh, mais c'est ça, c'est au New Jersey, parce que lui, il vient de là. Fait que c'est pas loin de New York, etc. Puis je, je On a sais la que bonne a Fait que c'est ça, c'est une grosse carte, man. Ça va être de quoi de fou. Je pense qu'ils veulent même mettre Kamzat Chimaev sur mm. la carte. Là. Vous, vous connaissez Kamzat, man. C'est un putain d'assassin, man. <laughs> c'est ça, ça va être une grosse carte. Il va avoir des gros noms. Il y a Charles Oliveira aussi qui est dessus, qui était l'ancien champion lightweight. Euh, il se bat contre Benil Dariush. Non, man, c'est une, une sale carte. c'est quand ça t t dit euh, Le 6 mai. 6 mai. 6 mai, man. Euh, puis ça va être sorti dans combien de temps cet épisode-là euh, Sûrement deux semaines. Deux, deux semaines, semaine. mmh. fucking two weeks, man. Si jamais, si jamais ça, <laughs> ça, ça, ça sort, puis UFC, s'est pas bouger le cul pour annoncer mon fight, ben, vous allez le savoir ici. Mais je <laughs> me bats contre fucking Kron Gracie. si vous regardez l'historique de l'UFC, euh, quand l'UFC a commencé, il y a quelqu'un qui est arrivé avec le jiu-jitsu puis qui s'est mis à péter tout le monde, right? Ça c'est Royce Gracie. Puis Royce Gracie a un frère qui s'appelle Rickson Gracie. Puis Rickson lui, il est plus allé au Japon. Rickson, il y a, li il y a des livres. Euh, breed, ça s'appelle. Euh, tu sais, les deux, man, c'est comme les piliers qui ont apporté le Vale tudo. Vale c'est euh, vale comme let's go. Puis todo, c'est tout. fait que c'est comme tout est permis. Le Vale tudo, c'est comme ça que le était au Brésil. C'était comme on se bosse à la plage puis Vale tout est permis. Genre, coup d'un notes, man, on pouvait se mordre. Les, les gars, ils se battaient, man, comme des, comme des animaux. Euh, ça des animaux les yeux, temps. genre. Yeah, yeah, yeah. Good, good, tout stuff. good, stuff. <laughs> good stuff. Tout est yeah. permis. Good stuff. C'est stuff. tout. Essaye d'expliquer à ta mère que tu veux faire ça pour nous, <laughs> man. I'm sorry, mom. Sorry. <laughs> Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, t'avais Royce, puis t'avais Rickson. Puis eux autres, dans le fond, ils ont eu une famille. T'sais, juste pour ça, c'est intéressant, Nasty. La, la famille Gracie, c'est tellement une famille fière, puis une famille forte, que le père, euh, je pense c'est Helio son nom, euh, voulait tellement avoir des fils forts qui faisaient du genetic breathing. Ça, ça veut dire euh, « breathing, pas, pas respiration, ouais. mais breathing genre, euh, oh, ouais. ouais, you know, breathing. Ça. Ouais, ouais. Ouais. <laughs> oh, <ouais. rire> fait que, euh, dans le fond, Rickson man euh, a appris un jour parce qu'il a toujours la peau plus foncée. Puis dans le fond, vu que sa mère était souvent malade, puis elle avait pas la génétique la plus forte. Euh, en fait, la femme de Helio qui est comme le, le top. A euh, euh, fait un enfant avec la, la, la servante, qui était une servante africaine, qui elle avait des gènes super forts. Fait que tu sais, le gars, man, tellement qu'il voulait des bébés forts, il allait avec des femmes, hey, série, je, je vais pas ça. dire esclaves, mais toutes des servantes. Oh, oui, c est, c est, c est il l'a écrit dans son livre. Ça? Non, c'est fucking vrai, man. Fait que là, wow. c'est une famille qui voulait tellement des enfants puissants qui allait chercher des femmes avec des génétiques fortes, des grandes femmes fortes. Avec des bonnes hanches, des, des gens qui sont capables d'avoir des bébés qui vont être incroyablement forts. Parce que je pensais là. que ça, ben ça marchait en esti. Fait que là, il y a eu Rickson, il y a eu Royce. Royce, dans le fond, c'est lui, ça, c'était le héros de GSP. Royce, lui, dans le fond, est arrivé à l'UFC, il a pété tout le monde avec le jujitsu, puis tout le monde qui a pété, était comme, Chris, c'est quoi cet art martial-là? Comment un gars si petit peut battre des gars de 230, man, c'est Royce euh, ou des boxeurs, n'importe quoi? Parce qu'au début de l'UFC, c'était pas un style, le MMA. C'était un boxeur contre un gars de ouais, 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 Un lutteur contre un sumo. Il y avait plein de styles qui clashent ensemble. Le but, c'est de savoir c'est qui le Ultimate Fighter, d'où vient le nom euh, UFC. Fait que là, euh, C'est ça. Fait que Rickson et Royce. Euh, eux autres aussi ont eu des enfants. Puis dans le fond, euh, Cron Gracie est le fils de Rickson Gracie. Rickson Gracie est un pionnier, mon gars, man, des fights, euh, tu même pas avec des gants au Japon. Puis tu sais, le... le, le c'est comme vraiment des OG, mais genre d'une autre coche. T'sais, ces gars-là, ils ont fait des fights dans des garages, dans, dans, des, dans des clubs, oh, toi contre moi, famille contre ma, ma famille contre ta famille. C'est vraiment des, une autre génération de fighters. Et <laughs> c'est ça. Puis moi, je me bats contre euh, Kron. Kron qui est un, un master de Jiu-Jitsu. Ce pas un lutteur, c'est un master de jujitsu. C'est un des, des plus grands noms du Jiu-Jitsu euh, en termes de, de génération. Puis euh, là, il avait transitionné en, en MMA. Il a fait cinq fights au Japon, il les a gagnés. Il est arrivé à l'UFC, il s'est battu contre Alex Caceres. Alex Caceres, c'est Bruce Leroy. Il est en ce moment numéro 12, je pense, à l'UFC. Puis Kron l'avait pété en genre une minute. Tu sais, Bruce Leroy a lancé un mauvais kick. Il t'a rappé au saut qui te prend, man. Tu sais, c'est comme euh, être avec un requin dans l'eau. You're, you're fucked. Il te pogne, mon gars, puis il veut te choke, etc. Tu, comment puis... tu matches contre lui? C'est un style. Fait, t'sais, moi, ce que je dois faire, c'est utiliser plus mes mains que mes pieds parce que quand, quand tu utilises trop tes pieds, quelqu'un peut le catch pour t'amener au mmh. sol. Fait que ça va être une guerre de boxe, droitier-gaucher, euh, qui, qui est le plus fluide entre les deux. Mais tu sais, euh, euh, Kron, il a tellement un gros bagage, mais ce gros bagage-là fait en sorte que... Tu il est arrivé, il a commencé à faire du MMA à genre 32 year old. Le reste, est jujitsu. Fait t'sais, moi, j'ai plus d'expérience MMA. Genre, je sais ce que c'est encore plus que lui se battre dans une cage. Mais lui, il sait ce que c'est. Genre, euh, la, la compétitivité était World Champion, ADCC. Man, le, 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 le nombre de choses que cet homme-là a accomplies est incroyable. Par contre, là où pourquoi c'est un bon match-up, c'est que ça revient ça à ce que je disais tantôt. Ce en fait, ce qu'on parlait tantôt, c'est la discipline. Il ne faut pas que je fasse une niaiserie, peut me coûter cher. Mm -hmm. Peut tout me coûter. Fait que c'est ça que ça va être un combat discipliné, mais après ça, t'as moi, man, qui est une fucking tornade quand je me bats, puis tu sais, je fais plein d'affaires, des flying knees, etc., mais il suffit que je fasse une erreur dans ce fight-là, could be over. Fait que je dois m'assurer d'être discipliné jusqu'à temps que je puisse coller un 4-11 directement <laughs> sur sa gueule. Fait que c'est ça, c'est ça le, le, le plan de match. Je peux pas en dire trop, malheureusement. Tu vas-tu essayer de l'amener au sol ou il est non, trop fort, man, il est trop fort, no, euh, jiu c est, c est, et... En ce moment, à l'UFC, c'est lui qui a le meilleur Jiu-Jitsu avec deux autres noms, mais les, les deux autres, ils ont pas mal le même parcours. Je pense qu'il y a Rodolfo euh, Vieira, je pense qu'il s'appelle, puis il y a un autre euh, master de Jiu-Jitsu, mais tu veux pas. Tu veux, dans le fond, je veux pas me coller. Aussitôt qu'il arrive proche, je dois ouais. circle away. Tu veux striker? Lui, il et Lui, back, lui, lui il te lâche pas. Lui, il est comme un ball. Ouais. Il cherche, il te cherche. Oh, ouais. Fait que le but, c'est de jouer au matador. C'est comme bien temps, bien temps, ping, puis après, il faut ouais. que je ressorte. C'est fou -ce comme ça. C'est dans le fond, j'ai vu de, sur les réseaux sociaux. La boxe. One, two, ça. sort, bang. Puis le but, c'est d'y faire le plus mal possible. Essayer de briser sa mobilité en kickant la, 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 la jambe et ressortir. Mais pas trop de niaiserie, parce qu'une niaiserie peut coûter extrêmement cher. Mais c'est cool parce que c'est un des, des plus grands noms. Euh, tu sais, Cron Man, il y a des millions de followers. Il y, a, il y a des vidéos de lui euh, online. Tu sais. Euh, que, que les gens faisaient juste à suivre son mode de vie. Tu sais, c'est vraiment, vraiment un martial artist. C'est vraiment genre un modern day samouraï. Mm -hmm. Puis c'est incroyable comment il vit. Puis, tout. puis je, je suis un fan de lui. Puis là, maintenant, j'apprends que je me bats contre lui. J'étais là, waouh, man. Ah, c'est ça. Mais je vois vraiment que tu, tu respectes ton adversaire. Absolument. Je, 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 Absolument. Connais, ça, ouais. puis je peux pas, Je peux pas cracher sur personne qui est à l'UFC. Il y en a hein. qui disent, ouais, mais il est même pas top 15. Ou, oh, lui, il est même pas ci. Lui, il est même pas ça. Je suis comme, man, d'arriver à l'UFC, si tu à quel point c'est dur, man. Si tu as à quel point notre génération. Euh, il euh, y a tellement de fighters, il y a tellement de pros, il y a tellement de monde qui sont bons. Puis pour te rendre à l'UFC, il suffit d'une mauvaise soirée. Mm. Quand je me suis battu contre Alex Morgan, c'était lui le numéro un là, au, Canada, au Canada, tout. c'est lui le prochain qui allait à l'UFC. Puis moi, j'arrive, petit cul de la Rive-Sud, mon gars, puis j'avais un autre plan, man. Moi, j'avais le plan de te finir. Puis je l'ai fini à un round, au centre belle, mon gars, ça explosait, puis tout. Mais j'ai déraillé sa route. Après ça, il a pris plus de temps. Là, il a réussi à faire des fights pour aller au Contender Series, euh, qui est comme la, 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 la shot avec Dana White. T'sais, si tu l'as, tu mais sais si veux. Tu lui. Pas... Man, il a complètement défoncé son adversaire. Mais pourquoi a fait que le UFC ne pas ce gars-là Parce qu'il a, a passé par Contender Series, puis il a perdu. Il okay. s'est fait crisser une bonne shot par le gars. Puis euh, il, a, il a commencé à wobble, puis le gars l'a fini avec un choke. C'est malheureux en asthme, mais tu sais. Si j'avais pas été sur le pad d'Alex, c'était lui qui était à l'UFC, puis c'est lui qui vivait tout ce que je vis aujourd'hui, tu comprends? Mm. Mais c'est kill or be killed. C'est mm. plate. Puis tu sais, on se voit souvent dans les événements, on se respecte, mais il y a quand même quelque chose que je le sens qui se dit, Chris, c'était toi ou c'était moi? Puis moi, j'ai été juste assez mongol man, pour. pour, euh, pour, pour... J'ai juste montré que j'étais meilleur cette soirée-là. Mais tu sais, on pourrait se battre dix fois, puis le, 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 le outcome pourrait être différent, right? Ouais. Fait que c'est là que. que Déjà d'arriver à l'UFC, il n'y a pas de fighter facile à l'UFC. Tous mmh. les gars, c'est tous des, des putains d'OG. Il y en a qui qui sont moins bons. Il y, a, il, y a comme, euh, il y en a qui sont des, comme des anciens NFL euh, guys, puis là, ils rentrent là-dedans, puis. Euh... Il y, y a comme des gars qui ont eu certaines crosses. Il y a eu CM Punk aussi dans le temps, là, mais J'sais Chris, mais ça n'a pas dit, duré longtemps. Là. Mais dans le box, il y en a tellement. Levian Bell. Euh, ouais, mais ça, ce n'est pas, ouais. pas comme ils ne sont pas dans la ligue. Là, ils non, ont non, pour, non. Pour, pour mmh. une petite fight ouais. euh, comme Jake Paul. C'était euh, Brock, Brock Lesnar, tu penses, tu parles. Ouais, mais Brock était violent. Oh, man. Ouais. Non, ouais. Brock il est devenu World Champion aussi. Là, euh, après ça, il a perdu contre Kane Velasquez. Ouais, Brock, c'est un putain de monstre, man. Si vous pensez qu'il ouais. est gros, il est encore plus gros que ce que vous pensez. Man. Ah, ah, qu il ouais, était disant, tout même. Même. Ouais. Même, là. A à court dans l'NFL. un moment donné, je, je, les je suis comme ça, man. je suis assis, je, me, je devais me battre contre Ilya Tuporia, j'avais fait un late replacement. Puis là, je vois quelqu'un qui passe, puis bonjour, puis il parle tout doucement. Puis euh, on faisait des tests pour la commission athlétique de la Californie, c'était Francis Nganou. J'étais le man, il J'étais géant. Puis là, c'est quand même cool, ben, j'ai eu une interaction avec lui par le fait que <laughs> par le fait qu'il parle pas beaucoup. Euh... Il a de la mise un petit peu avec son anglais. Puis là, la fille elle essayait de l'aider, puis tout. Puis moi, j'étais Francis, si tu veux, je peux t'aider. Je parle français Elle il dit Ah oh, oui, mon ami, nanana, nanana. puis il a mis sa main sur moi. Là. Je pense qu'il faisait mes lattes au complet. <laughs> Donc, il faisait mon dos au complet sa main. Ah oh, oui, mon ami, j'étais là. Tabarnak, man. T'es un monstre, bro. Oh, J'en reviens pas, quelqu'un va être dans, ta... dans le cage avec toi. Fait que là, une autre, une autre histoire drôle, c'est que les deux, on était sur la même. Euh... Euh, à l'hôtel, on était sur le même étage. Puis il y avait une coupe de Brésiliens que mon coach connaissait, puis ils étaient tout là en train de parler, puis tout. Puis nous autres, on, dit, sois, on chillait dans le couloir, puis à un moment donné, Francis se bat demain. Puis dans le fond, moi, mon fight est annulé parce que Tupori avait pas fait le poids, il avait perdu connaissance. Puis euh, un autre gars de Jiu Jitsu avait perdu son adversaire à cause d'une blessure ou une affaire de même. Puis là, c'est ça, on est tout là en train de chiller, man, puis tout. Puis t'as juste Francis qui ouvre sa porte, man. Il est genre, tu sais, de moi à toi, là, il ouvre sa porte, puis il dit. « Les mec, j'ai besoin de dormir. C'est fini. Euh... Oui monsieur, man, on a tout. Oui, oui, Il n'y a aucun problème. Bon, on est tous rentrés. Est mais tu sais, on est comme 12 fighters, tu sais. Genre, tu sais, on aurait pu jouer à ça ou whatever. Mais tu sais, c'est Francis Ngannou, mec. Ouais. C'est le top. C'est le baddest man euh, on the planet. Mais maintenant, c'est John Jones. Mais tu sais, les gars, c'est fini. Allez, dans... Allez, on va faire dodo. Oui monsieur, on était est... <laughs> on était partis se coucher, mec. Oui. Je le comprends. Tu sais, il se bat demain, mec, pour la belt. Il se battait contre euh, Cyril Gann, d'ailleurs. Euh, Puis, euh, non, man, incroyablement de, de respect pour lui, man. Mais c'est un géant, man. Oh. C'est impressionnant. C'est fou. Un toi, guy toi, guy, toi mais mettons, ouais. là, nous, nous dans la dernière fois qu'on t'a vu, yes. tu ressortais d'une victoire, un petit kick dans le chest. Yes. yes. Ça allait bien, là. Mm -hmm. là on se revoit aujourd'hui. Puis là, la, la dernière fight que as eue, c'est une défaite. Yes. C'est où est ce que tu as le plus appris, puis c'est quoi tu as le plus appris? Sais-tu dans la victoire, puis c'est quoi, ou c'est tu dans la défaite, puis c'est quoi tu as appris? C'est une très belle question, man. Euh, euh, j'ai jamais été aussi heureux, man, puis j'ai jamais autant apprécié la vie qu'aujourd'hui. Le break que j'ai pris, man, ça m'a pris le temps de, de breathe in tout ce que j'ai accompli. Puis ça fait ça fait tellement de bien, des fois, juste de checker en arrière et me dire, Chris, man, je suis vraiment parti de rien, man. Je suis parti de, de fuck all, puis j'ai réussi à faire tout ça. Puis, euh, ce que j'ai le plus appris, c'est que oui, le fight est important, mais tout est important. Mm. Puis, la, en fait, la chose qui est le plus important, c'est être ici aujourd'hui. C'est de parler, d'échanger avec vous autres, parce que je sais que je vais, je vais, je vais en tirer du positif de ça. C'est d'arrêter au McDo avec ma copine juste avant, prendre un café. Tout, tout Le moment présent est tellement important. Puis, ça, avant, je, je le voyais pas, mon gars. Là, parce que, tu sais, j'ai juste 27 ans, puis je me rends compte à quel point ça va vite, man. Chris, il y a même pas. Chris, ça fait déjà. Ça fait quasiment 10 ans que je suis allé en Thaïlande. Moi, dans ma tête, c'était il y a fucking 2-3 ans. Là. Mm. Non, ça fait quasiment 10 ans, man, que je me battais dans un garage en Thaïlande, mon gars, que je suis allé me faire masser. Je vais la compter. OK, je suis en train de me faire masser, man. Watch out Internet, mon gars. Man. Ça sent bien. Je suis en train de me faire masser, man. Elle embarque dans mon dos. Puis, tu sais, quand on arrive, en fait, vite, vite, on arrive, puis je suis avec mon coach Eric. Là on voit lady boy », mais on ne parle pas beaucoup anglais, fait, ah, ça, veut okay. que, ça veut dire que ça veut Ladyboy ça peut être une femme et un garçon, tu sais. Donc c'est ouais, ou pas resté pas écrit Ladyboy, c'était pas écrit Ladyboy. <laughs> mais c'était écrit massage non, non, non puis nous autres on est décrissés de la semaine. De... <rire> <rire> fait que là même j'embarque, je suis comme ça, je suis sur le vent là, elle embarque sur moi même, je suis comme tabarnak elle est lourde. celle-là. là man. la petite taille d'hier était pas mal plus petite, hein, tu sais. Puis en passant ah, les tailles, c'est pas cette histoire là Ouais, ben oui, c'est okay. très bien, c'est très bien, c'est entendue à plusieurs reprises. Puis euh, là, la petite tête est en train de me masser. Puis tout, à là un moment donné, elle parle avec sa chum à côté. Parce que moi, je suis de même. Il y a un rideau. Puis Rick est là. Puis là, moi, puis Rick, on parle. Puis là, euh, tu sais, le, le, le texte, c'est sa waddy cop. Tu sais, il y a beaucoup de cac, cac, cac dans la prononciation des, des mots. Puis là, à elle, elle me tape bizarre. elle dit, Fuck me! Fait que là, moi, je suis comme, OK. Moi, je fais comme si rien n'était. Je suis comme, c'est sûr qu'elle ne me parle pas. Mais elle parle ouais, à sa chum. Tu sais, me Tu sais, ça peut. Ça, ça peut... Pour dire probablement quelque chose en taille. Non, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Fuck me. Fait que là, je suis comme. Puis là, t'as Rick à côté qui me dit Je pense qu'elle veut que t'abaises, man. Fait que là, je suis comme. Euh, man, je suis pas à avec ça. tout. Fait que là, elle dit Please, fuck me, I'm lady boy. Fait que là, elle dit Attends, je pense qu'elle veut que tu la fous. Puis elle dit Je pense que c'est un mec. Fait que je suis comme. J Jure. Puis là, Rick, il torse rideaux, man. Puis tout. Puis là, elle dit Check ça, bro. Je me retourne, man. Je vois la pomme d'Adam. Mais tu sais, c'est une femme, là-bas, là il là y a beaucoup de ça. De, 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 de <laughs> fait que là, je suis de même, man. Je me retourne, je vois la pomme d'Adam et je suis comme, non, 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 fuck, fuck, uh, just massage, please. Pis No, dit, non, you're handsome, fuck me. Puis, là, après hey, ça, mec je te vois, man, la matraque euh, recette, suis... mon gars, bien crinqué, mon gars qui me regarde, là. Oh, je suis comme, Sure, no. man, j'ai un ladyboy bandé dans mon dos, right? Le, mon coach <laughs> j y j y rie, assis, mon gars, ouais, assis sur moi, mon gars, la matraque <laughs> bien prête, man, à l'attaque, là, j'étais comme, Ok, non. Puis là, je me suis levé, man. J'ai poigné mon, mon cash. J'ai pitié deux, euh, genre 1000 bahts. 1000 bahts, c'est à peu près 40 piastres. J'ai pitché le cash. J'ai fait fuck that, man. Je m'en vais dehors. Là, je sors dehors en bobette, man. Il y a plein de monde sur les scooters qui me regardent. J'ai l'air vraiment d'un petit con. Qu'est-ce qu qui vient de se passer? Puis tout. là, la fille était dehors. Non, come on, fuck me. I'm nice. Non, 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 non. No fuck, fuck. Thank you very no. much. No. <laughs> Non, 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 ok. Fait que là, finalement, j'étais assis sur mon scooter. Mais ben, tabarnak, Eric, man, au lieu de sortir puis venait me voir, il est resté. Il dit, man, je continue mon massage. Moi, j'étais bien, man. Il dit, <laughs> je a pas, fait. Je il, dit, que... il, dit, il dit, le ladyboy faisait mes pieds en attendant. Fait que là, lui, il s'est claqué un massage avec les... le ladyboy puis l'autre, man. J'étais, assis ah, que t'es laid, man. Ok, il y moi, avait un ladyboy puis il y avait un ouais, lady. Fait... Ouais, 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 ok. Ouais, je sais pas, man, j'ai pas regardé. Mais gros, vraiment, quand t'es de même, là, puis tu sens un massage puis tu te retournes, mon gars, puis tu le vois bien crinqué, man. Puis euh... <laughs> c'est, c'est quasiment du viol, du <laughs> qui se passe. Fait que tu on en rit, man. Ben, oui, c'est oui. une expérience que beaucoup de gens auraient été traumatisés. Mais ben, à fort, 30 ans, oui, tout le monde que je connais dans mon trajet qui m'a parlé de Thaïlande m'a conté une histoire parfaite Ah oh, 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 oui, ben oui, man, c'est la fuck, trap oui. à saucisses, mon gars, man. C'est vraiment un trap, là. Ah oh ouais, écoute. C est, c est, tu le fais puis après ça. Non, c'est pas vrai. C'est une joke! <laughs> c'est une joke! <laughs> là, c est, c est bon. Tu vas faire susciter euh, des réactions, c'est sûr, ouais, clair, on, a, on en a en masse des TikTok là. Air <laughs> <laughs> Jourdain qui est grossophobie <laughs> incorporée. Non, <c> est nice. <laughs> Je vais. Mais tu parlais de ton, euh, ton prochain adversaire qui. Yeah, ouais, c'est ça. Mais là, tu te sors de deux, deux losses. Yes. Que clairement, tu as appris énormément de ça. Yes. Tu voulais pas payer quelqu'un qui était un peu moins. Non. Non, hein? Non, non. UFC, même parce que je dis oui à des fights de Mongol. Il euh, y a personne qui aurait accepté de se battre contre Burgos en bas de 100 000$. 100 tu sais. Moi, je vous l'ai dit, j'étais à 75 75 mais il n'y a personne qui veut embarquer dans le top 15. Les gars, sont tout le temps, tu ah, t'as pas quelqu'un de nouveau. Non, non, non. J'ai des fighters qu'eux autres, quand ils reviennent d'un loss, euh, ils veulent se battre contre un nouveau qui arrive au UFC. J'tais, non, man, moi, de moi, le biggest fucking name possible parce que je vais pouvoir dire que j'ai saigné avec. Une légende. Crown Gracie, c'est une fucking legend. Ouais. Big, son père, man, est incroyable. Son oncle a marqué l'histoire du. De, 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 tu sais, je me bats contre la plus grosse famille de combattants du monde, de, de, de ce qu'on connaît, right? Puis le fait père du père, il a vraiment travaillé Et sa a... lignée de famille. C'est fucked up. Fait tu sais, quand ils ont dit, est-ce que tu veux Crown Gracie, J'étais suis fuck oui. Tu sais, ils ont contacté mon manager, il dit, on connaît déjà la réponse de Charles, mais il faut le demander. Puis tout. Fait que là, j'étais comme. Vous savez ma réponse, bro. Ouais. De moi, quelqu'un de dangereux, de moi, quelqu'un qui me traîne, de moi, quelqu'un ouais. qui fait en sorte que j'ai des fucking nightmares. Ça euh, chaque hein? soir, absolument, man, parce que c'est dans ces moments-là que tu te sens le plus vivant. Puis, à la fin de la journée, qui cares? J'ai combattu des gars comme, justement, euh, Shane Burgos, André Philly, etc. Mais une fois que ce moment-là il est fini, ça n'existe plus. Mm. Yeah, en, en MMA, dans nos cérémonies, il disait tout le temps, You're only as good as your last fight. Parce que tu sais, tu peux avoir plein de loss. Charles Oliveira a énormément de loss aussi. Il a quand même climb up to, to become champion. Est, ouais. tout, tout est dans la mentalité. Puis à quel point tu grow from everything. Puis par le fait que j'en ai fait six back-à-back, -back, je prenais jamais le temps de grow. Je faisais juste performer, performer, performer. Mon corps était mon corps tout le temps, de, genre, through the roof. Là, de faire un step back, il, les gens vont voir une version même qu'ils n'ont jamais vu de moi. Quelque chose de, 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 de fou. Tu sais, il y a beaucoup de fighters, c'est un fight, trois, quatre, cinq mois, six mois fight. tu sais si les autres ils vont comme ça parce que les autres ils veulent vraiment climber le ladder moi je veux juste saigner man je veux juste me battre je veux juste bleed je veux juste combattre les, les plus gros noms je veux être un genre de cowboy Cerrone. man je veux que le Québec le Canada man les, les stories que je vois du monde man sont genre 50 dans un garage mon gars est en train de checker tu sais j'avais reçu un message man qui m'avait suis pas quelqu'un émotionnel vraiment pas je suis très stoïque dans mon approche de, de beaucoup de choses mais j'avais reçu ce message là puis j'étais comme wow man le gars il avait dit depuis que Donald Cerrone a pris sa retraite il dit maintenant, t'es not cowboy, man. Il dit, quand tu fight man, on est tout le temps là, là. que ce soit Waypex, que ce soit là-bas, que ce soit whatever. On est tout le temps dans le garage, man. Puis il m'a montré, man, toute la gang de monde qui était. Puis j'étais comme, wow, man, je peux avoir cet impact-là, que le monde se dise, fucking win or lose. Ce petit Chris du Québec-là, man, il est mon gars. Le, le petit pirate du Québec, mon gars, là, quand c'est le temps de show up, il show up. Il c'est le troisième round contre Burgos, ils ont dit que c'était un des plus gros rounds de l'année puis tout c'est des MMA awards pis ouais. tout j'avais eu tout la submission avec Lando Vanata Lando Vanata qui est un nasty de monstre que, que que, qui a été mon combat le plus facile entre guillemets je l'ai knockdown. j'ai pogné le coup snatché la guillotine euh, Tous les accomplissements m'apportent euh, que, que, que je n'étais que pas capable de cherish comme il faut avant parce que c'est tout le temps c'est quand le prochain c'est ouais. quand le prochain d'où vient le jamais fini de B2, la piraterie jamais fini, est jamais finie, mais c'est que... OK, tu gagnes. Ah, c'est quand le prochain? What's ah, tu perds. C'est quand le prochain? Non, non, non. Puis les gens te laissent pas savourer tout ce que tu as mm -hmm. accompli. Fait que ça, ça, ça devient ta job de regarder en arrière et de Chris, man, c'est vrai que je suis bon, man. » Parce que des fois, tu vas laisser les commentaires tu vas laisser RDS RDP ça en fait man, que quand on gagne t'es le meilleur quand tu perds oh, c'est pas grave ils font leur job de, 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 de on va se dire que le Québec c'est très difficile pour nous de, de supporter les Canadiens gagnent c'est les meilleurs les Canadiens perdent on leur crache dessus ouais. Eugénie Bouchard c'est la top oh est juste parce que les commentaires étaient pitoyables David le mieux tout le monde y crachait dessus euh, man, je peux te faire une liste d'athlètes, Simon Keane, whatever. Tout le monde était vraiment harsh au Québec. Mais va en Irlande, man. Va parler mal d'un de leurs fighters. Ça va te faire péter, man. Ouais. Le monde sont unis beaucoup plus. Ici, on est très divisive. Puis c'est pas grave parce que à chaque fois que je sors, récemment, je suis allé à Los Angeles avec mon frère. Mon plus vieux frère, David, on, avait, euh, on faisait des trucs avec Alderhead. D'ailleurs, euh, je vais vous offrir euh, des bouteilles, man. Je vais vous goûter à ça, man. Best fucking whisky. Ça rendu du partenaire avec la cage au sport. <laughs> c'est Dana White qui a parti ça. Mais c'est ça, je m'en vais aller avec mon frère. Puis, man, je me fais reconnaître dans les aéroports, dans la rue, dans, dans plein de places. Puis il dit « Man, c'est fou, tu te fais plus se reconnaître à travers le monde qu'au Québec. » Tu qu sais, qu au Québec, au Québec ça, ça y va aussi. Mais, mais c'est vrai, à travers le monde, les gens man, viennent te voir, pis ils, sont, ils sont très intrusifs. Ils vont te voir en train de manger. ils hey charge, puis tu avoir une photo? Puis je suis comme, oui, j'aime partager un moment. J'aime j'aime parler avec le monde, puis tu me dérangeras jamais. T'sais, tu me vois, oh, je ne veux pas le déranger. Dérange-moi, man. Mm -hmm. ouais. On va serrer la main, man. On va partager de l'énergie, puis tout. Puis on va passer une meilleure journée parce qu'on a eu une interaction humaine. T'sais, maintenant, tu vas faire tes courses, tu parles à personne. Mm. Mais tu peux dire à la petite madame, hey, passe une bonne journée, madame. Puis comme Chris Ouais, mais tu sais, ça, ça crée un lien. Ouais. Fait que moi, j'ai aucun problème d'échanger avec, euh, avec euh, les gens. Puis, même si je reviens de deux revers, je pense que c'est la période de ma vie que j'ai le plus grandi en tant qu'humain et en tant qu'athlète. Puis, à la fin de la journée, c'est là que je suis le plus gagnant. Fait que, I win no matter what. Ouais. Mais là, il te reste 10 semaines environ à ton combat. Yes, sir. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais différemment? Là, tu dis, tu as appris, mais. Dans ton training, y a une approche différente par rapport à. En termes de training, je suis très discipliné, right? Ouais. Je, je suis très discipliné, mon gars, man. J'ai un horaire complètement. Tu sais, comme le matin, c'était sparring, c'était les rounds avec euh, euh, un autre combattant. Lui, man, il fait de la route, il descend d'Ottawa pour venir ici, man. On fait nos rounds. Lui, il se prépare pour un title fight canadien. Lui, il veut joindre l'UFC. Puis moi, j'ai besoin de lui parce que je me bats contre un grappler, pis tout. Fait que. C'est ça, c'est comme ça aujourd'hui. Euh, demain, c'est la boxe. At night, c'est uh, recovery, ice bath. On s'en va faire des trous dans glace. Mais non, tout mon, mon horaire, man, tout le temps, était super sharp. Je suis quelqu'un de très discipliné en termes d'horaire. Euh, la méthodologie n'a pas changé. Mais par contre, la soif de victoire, puis la, la discipline en termes de... de... Moi, mon, mon gros problème, c'était pas les, les amener au sol. C'était qu'est-ce qui faisait en sorte que je tombais. C'était trop de kicks. Parce que les gars sont prêts à prendre un kick pour t'apporter contre la cage, puis après ça commencer à wrestle, etc. Puis c'est là que j'ai une faille dans, dans mon armure. Puis la faille n'était pas dans les transitions, c'était dans le fait que j'utilisais beaucoup trop de kicks, puis ça me créait un. un j'étais unbalanced, j'étais pas bien balancé sur mes pieds. Fait que là, dans les dix-six derniers mois, mon gars, je peux bouger à gauche à droite, je sais, je, maintenant j'agis plus comme un sniper. Genre mm -hmm. je bouge, bouge, j'attends que tu places ta tête au mauvais endroit, je snipe. Après ça, je bouge, je bouge. Avant, c'était pack, 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 ah, pack kick, ça, bang, 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 kick. Maintenant, c'est precise. Je ne suis pas ici pour manger des coups, je ne suis pas là pour faire une guerre pour le crowd, etc. Je suis là pour te péter. Puis, c'est là que mon immaturité était trop, apprenait trop une grosse partie de l'athlète que j'étais. Maintenant, maintenant, je get older, smarter, more beautiful, peut-être pas. Non, je viens là avec le temps, mais c'est pas grave. Je m'adore et elle m'adore. c'est tout ce compte. <laughs> mais euh, l'expérience qui vient en compte c'est ça yes, yes. c'est d'avoir des gars comme Daniel Cormier euh, des, 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 des plein de top UFC guys qui 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 disent tu vas comprendre avec l'expérience Robert Whittaker euh, l'Australien on était assez les deux dans l'autobus puis on jasait puis tout man puis il dit tu te bats comme une furie man mais tu dois contrôler ce chaos -là. control that chaos puis moi j'étais comme ah yeah, mais je je, je fait pour le crowd puis tout puis il avait dit Attention, bonhomme, parce que c'est un couteau à double tranchant. Ouais. J'étais comme, yeah, mais j'étais immature. Mais faire un pas vers l'arrière a <coughs> oh, oh, fucking fait tellement de bien, man. Là, je regarde tout ce que je peux accomplir. Puis, puis tu sais, des fois, justement, on va laisser une mauvaise performance euh, dicter la personne que t'es. Puis après ça, je suis comme, non, 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 regarde toutes les grosses performances que j'ai eues. Tu sais, me... quand j'ai battu Duo Choi en Corée, man, c'était un. Il n'y a pas grand monde qui vont dans le backdoor de quelqu'un en Corée, mm. puis euh, qui vont knocker leur étoile montante, puis tout. Puis je n'étais pas supposé gagner cette fight-là. -là, tu UFC, m'ont lancé là en disant, gars, si le Canadien ne gagne pas, man, you're out. Puis boum, je suis allé là-bas, man, je me suis fait rock. C'était quelque chose de trop fou. Parce que quand tu manges une bonne shot, c'est la seule fois de ma vie que je me suis fait vraiment cogner solide de même. J'étais le même, j'étais bien placé, je bougeais. Puis à un je mange une shot, je ne l'ai même pas vu arriver, puis je suis comme, pourquoi tout le monde tombe? C'est moi qui tombe, bro. <laughs> Tout le monde s'est mis à faire ça de même. J'étais là, eh? là « j'ai me... tombé, man. Puis là, il embarque dans ma garde. Il commence à me cogner. Puis je suis comme, « si je pourrais être chez nous avec ma blonde puis mon chien. » Puis je suis en fucking Corée. Genre, mon mind, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait que je quitte. La, la petite bitch, là, dans notre tête, mm. là, la petite voix qui dit, « Man, pourquoi tu fais ça? Va, va manger du McDo. Relax. T'as pas besoin d'être de... une meilleure version de toi-même. » Va, va va manger des bangs. Toute, toute la, la, la voix qui te dit Fais pas ça. Mais elle dit ça pour te protéger. Ben oui. ouais. Mais tu dois être capable man, de faire fuck off, man. Pendant pas que temps, tu mangeais des coups. pendant que tu tombais, tu as pensé as à ça, man. man tu sais, quand qu on voit dans un film genre Rocky Style ou Creed ou whatever, puis qu'on on voit t'sais, genre le 10 second count, quand ouais. le gars est à terre, dure une minute dans le film, ouais. c'était la même fucking affaire. Tout était en slow moment puis j'avais le temps de réfléchir à tout ça man c'est comme si genre j'étais arrivé dans une autre feuille temporelle man puis genre tout était au ralenti je voyais les coups arriver bang puis j'étais comme ok je contrôlais les mains puis pendant que je contrôlais les mains je me suis dit mon père me dit une chose man il dit si tu fais une affaire fais le bien ou fais le pas ça va ouais. être très général comme ça puis là je me suis dit si je peux manger une volée je vais manger une hostie de volée tu sais c'est comme ça que j'ai pensé <laughs> J'ai kické dans le ventre, il a reculé, je me suis relevé, j'ai fait un flying knee, j'ai lancé une gauche, dang, je l'ai knocked down, il restait 10 secondes, bang, bang, bang. Là, le round, il split, puis là, je vois qu'il a mal. Je vois qu'il y qu a mal en Estier, comme, ah, oh, si, je l'avais. Il, il, il pensait vraiment qu'il allait me détruire, puis ça, ça a mal commencé en Estier. Mais j'ai bien fini le round, je retourne à mon stool, puis Louis, il dit, t'as 10 minutes, Louis qui est mon frère, il dit, t'as 10 minutes pour changer ta vie. Ça, c'est big, là, quand tu te dis ça. T'es comme, Chris, man, c'est vrai, j'ai 10 minutes, man, pour décider si je suis build. For this ou pas. Puis le deuxième round commence, on bouge. Puis là, je vois qu'il lance tout le temps sa main arrière. Puis j'arrête pas de la slip, je la slip. là, à un donné, je vois une ouverture. Mon gars, je lance une gauche. Tow! Puis là, je vois que ses yeux ont roulé pas en arrière. Je lance un crochet. Bang Je le fais tomber. J'embarque dessus. Tu as le public coréen, mon gars. Pour une Tout ce qu'on entend, c'est les, les, les commentateurs. Euh, euh, John, euh, John Gooderman. Puis euh, fuck. Euh, je me rappelle plus leur nom, man. mais ils étaient toute en train de hurler mon gars, Wah! puis tout. Mais je regardais le crowd, même je allé regarder Louis, j'avais 10 minutes. Man. Puis je l'ai fait dans sein, en 4, 3 ou 3, 3, 4 minutes, Mais j'ai changé ma vie. Puis là, l'UFC, c'est là qu'ils ont commencé à dire « Chris, il est bon, le petit Chris okay? ». Puis là, ils m'ont donné un combat déjà dans le top 20 mondial pour une bourse de 12-12. top 20, c'est genre ouais. Ils m'ont envoyé contre Philly, qui, qui, qui était à ça du top 15. Puis là, c'est là que j'ai perdu par décision partagée, mais c'est là que Dana est venu voir, puis il a dit Chris, le gars, il est bon. Puis tu puis, sais, j'ai eu, eu des, des up and down, puis tout, mais j'ai tout le temps show up, puis c'est pour ça que, que, que l'UFC m'aime beaucoup. Puis moi, j'adore l'UFC, man. Je me bats avec les meilleurs gars du monde. là Je vais me battre contre Cron Gracie, qui est un nom exceptionnel. Fait que tu sais, la, 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 la vie est remplie d'embûches, puis je suis prêt, man, à me montrer tout ce que j'ai appris dans les derniers mois. Nice. T'es-tu ah, bah, hum, le genre de, de boy qui, comme qu'il y aurait une rivalry, comme, mettons euh, tu, tu parlais de Cormier puis John Jones, les autres, ça, leur rivalry était incroyable. Oui, mais non, -tu parce que... taimerais ça, ce genre de... Moi, je pense que quand t'as master... besoin de créer un beef, c'est que t'as des inner demons. Puis moi, je fight bien avec, euh, avec ça. Okay. Euh, là, Kron, il est tout le temps avec Nate Diaz. Ils sont de même, les deux. Là. Fait que, il va avoir Nate Diaz dans son coin. Nate Diaz, man, c'est un OG. Là, ouais. Il va peut-être essayer de me slap parce que... Puis Kron, Cron, c'est un, un gangster aussi de la Californie, puis tout, fait que ça va être... Euh... Ça va être fucked up, man. Tu sais, je sais pas, peut-être que Nate va essayer de me stocker une slap, là, qu'il appelle, là. Il va falloir que je le bel œil slap, man. Oui. riff sud slap. <laughs> fait que, non, man, ça, ça va être cool, Anastie, man. Je vais avoir euh, Nate Diaz dans l'autre coin qui va m'envoyer chier, puis tout. puis tu sais, ça va vraiment donner, vraiment donner un feeling de war, man. Pis, euh... Ben, red, là, ouais, ouais, c'est fucked up, nice. man. Hey, je suis tellement excité pour toi, man. Ah, c'est vraiment c sick. Pis t'as autre, c'est quoi le feeling que t'as en, en ce moment, le like, How do you feel? C'est qu'aujourd'hui est plus important que demain. Ouais. Évidemment, ça, mais ça, still, tu sais, quand tu sais, là, mettons, là, je parle de moi, mais je sais que je m'en vais en voyage, là, mais comme, yeah. le feeling que tu as est dans uh -huh. deux semaines. Tu n'as oh, hum. pas compris as son dit... message, il dit ouais, maintenant, maintenant, jour pour jour, je le sais. Mais je te c'est un ça va à Mais, mais gros, tu dors pas, parce que moi j'ai besoin de m'animer man j'ai besoin de checker One Piece ou toutes mes affaires, sinon je ne suis pas capable de dormir. Sinon, aussitôt que j'ai pas mon téléphone dans mes mains, en train d'écouter quelque chose je suis incapable de dormir j'ai ah genre ouais. des limites que je peux pas je suis pas capable de faire face tu euh, fumes tu du pot non euh, oh. je prends euh, du CBN qui est une affaire que j'ai acheté à Toronto puis tout pis ça m'aide à, à, à relâcher puis tout euh, THC j'ai acheté genre des Jolt, euh, une, une espèce de gummies mon gars, man. Ouais, ouais, fuck, ça, man, je pensais pas que ça kickait de même, dude. Je pensais que manger un punch c'était quelque chose. Gros, j'étais le divan, man. Genre, barré, ben you became the okay. couch. <laughs> ben, Mais euh, écoute, non, je je smoke pas, puis tout. Mais euh, je prends, je prends, c'est ça, le CBN, puis. Mais ça me dérange pas. je, je mets mes animés, puis tout, puis je m'endors, puis euh, ça 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 c'est mon c'est mon release. Mais m'endormir, genre là, on fermerait les lumières, puis je serais dans une pièce noire, seul avec moi-même, sans rien entendre. C'est dégueulasse ce qui se passe là-dedans. Tu, tu pourrais pas faire une retraite de, de complete darkness pour trois jours. Genre? Non, non, j'aurais besoin de ça. c'est et... fou, man. T'as-tu pas... entendu parler de ça? Genre euh, ouais, Aaron euh... Rodgers l'a fait. Yeah. Il l'a fait il n'y a pas longtemps. Jiri uh, Provashka, le, le, le. Oui, j'ai vu fait, ça. Mon boy m'a envoyé The Modern une, Day uh, Samurai. Ouais. Yo, ça, c'est fucking. Ouais. Tu ferais ouais. ça, toi? Ah, pas en ce moment là. Trois jours. Je pense qu'il faut que tu te prépares pour ça. Là. Il y avait juste que... de l'eau, man. Il y avait fait un jeûne aussi de trois jours. Euh... Juste de l'eau, juste yeah, du darkness. Puis ouais, tu... comme ça... après deux jours, si tu vois juste une petite chose de lumière, tu hallucines Red. Ouais. Comme, mais, faut mais, pas que t'aies de lumière. Non, c'est ça. Tu... Tu, tu, euh, tu. commences à halluciner même si tu n'as pas de lumière. Là. Après un certain nombre de temps, c'est juste comme tu sais plus tes jours, tes soirs. C'est super répareil, ton, ça. Ton, ton brain, il fire. Euh, les neurones, ils il fire d'une façon différente. C'est pour ça que je pense pas que n'importe qui peut faire ça. Là. Je pense vraiment qu faut que tu te prépares. C'est pour euh... un mature mind, ça. Tu ben, fais ouais. là une heure, après ça deux heures, puis tu ouais. augmente là au, au fur et à mesure qu'il est capable. C'est comme le ice bat. Tu vas pas dans un ice bat pendant une heure. La première fois que tu le fais, tu fais un cold exposure. Mm -hmm. tout, tout ce build-up, il rit, ouais. en parlait qu'il l'a fait graduel pour arriver au point de se mettre trois jours dans une pièce. Avec juste des bouteilles d'eau, man, puis assis en Indien, puis elle juste fucking meditate. Je l'ai envoyé ce documentaire-là <coughs> au boys. C'est Guinness qui me l'a envoyé. Okay. Puis c'était quoi, avant il se battait avec euh, Ils se battaient avec contre des hooligans, c'est ça? Le gars qu'on parle. Ouais. Genre le ça gars avec vrai? la tresse ouais, ouais, ici

On ne peut pas juger. Non, non je ne juge pas. Je trouve ça... Mais c'est de l'expérience ouais. de vie. Il n'y a rien comme l'expérience. Ouais. Souvent, t'sais, par le fait qu'on est un peu plus vieux, vous avez la chance d'avoir une belle plateforme. Pis tout, vous allez souvent avoir des, des oreilles très jeunes mm -hmm. qui vont vous écouter. Moi, c'est la même affaire. Je pense que j'ai un impact très positif. Comme, comme, comme je disais tantôt, j'étais à un événement vendredi à Sherbrooke pour un événement. puis Des photos, les, les, c'est souvent des jeunes hommes qui disent « Chris, man, ton contenu, euh, tout ce que tu fais, les podcasts, euh, on regarde tout ça, puis on savoure ça. » parce que on, on, on a besoin d'une personne qui parle français mais tu français aussi les gens mm -hmm. ils se retiennent hey, ils se derrière ça puis la seule chose que je dis aux gens, tu sais ils disent des trucs puis toi je dis Man, il faut que tu vives le plus de choses possible il faut que tu vives une vie compétitive écoute man, des histoires le bro j'en ai là au moins 4000. C'est ça que je dis quand je fais un look back, man. Chris, un moment donné, moi et mon frère, on était en Thaïlande. On arrive dans un quartier qu'on devait pas être, man. Des gars nous ont menacés avec des machettes, genre on va vous découper si vous n'étiez pas là. T'sais, on avait des machettes dans nos faces, sais nous autres, on est partis. Après ça, on est allé dans une espèce de monastère, man. On devait pas être là, puis tout, man. On s'est fait courir après par genre 30 chiens, man. Mais pas des, pas des beaux chiens, pas des petits doudous, là. <laughs> des chiens qui voulaient <laughs> Le nous Les 30 euh, mm -hmm. En Corée, man, on, on nous laissait pas entrer dans certains restaurants parce qu'on venait pas de la Corée, tu sais, du, du racism. Mais nous autres, mm -hmm. who cares, on est chez vous. On va pas commencer à s'imposer, à commencer à chialer. On ne pouvait pas rentrer dans des clubs, on ne pouvait pas rentrer dans des bars, on ne pouvait pas rentrer dans des restaurants. Il y a plein de places où on ne pouvait pas aller. Puis, tu sais, quand tu fais un look back, man, à tout ce qui était arrivé, man, c'est l'affaire de la, de, la, de la taille dans mon dos, man, qui était un dude, man, bandé, whatever, il y a tellement d'affaires qui sont arrivées que, que, que moi, tu sais, je mettais tout le temps ça en hold parce que c'était tout le temps à propos de demain. Mais si c'est tout le temps à propos de demain, man, tu pas à savourer comme il faut aujourd'hui. des fois, in order to, tu hey, un, d'une bonne manière d'apprécier ce que tu aujourd'hui, c'est de regarder tout ce que tu as fait pour l'avoir. Puis après ça, c'est là que le harsh truth arrive, c'est. Est-ce que je suis la personne, est-ce que je suis en train de devenir la personne que je devrais être, ou je manque de discipline là-dessus, là-dessus, là-dessus? C'est là que la réalité fait mal. Parce que si tu dis Chris, moi, une affaire que, que je m'en veux encore, mais en même temps, il y a l'inflation, il y a plein de trucs si je n'ai pas encore acheté une maison. Mais après ça, moi, dans, dans ma tête, même de votre côté, la rive nord man, ça a explosé les prix, sur la rive sud-estime. Moi, j'ai commencé à avoir du succès genre pendant la pandémie, puis les, 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 les sais, Peu importe, all of this, c'est des excuses. Moi, j'ai besoin d'avoir un foyer, je veux avoir une place où je peux avoir des enfants avec ma conjointe, etc. Fait que tu sais d'être dur avec soi-même, c'est une bonne chose. Il y en a qui disent Non, moi, euh, moi, mon enfant, je ne suis pas dur avec lui. Ou euh, Moi, euh, non, moi, mon chum, je ne demande pas trop d'affaires, ça le gosse. Ou non, non, non. Je... Il faut être demandant. Moi, mon cercle, là, il est petit, mais c'est des personnes, mon gars, là, qui m'en demandent en tabarnak. Mon coach, mon, mon, mon mentor, Fabio, man. C'est tellement pas quelqu'un qui, qui, qui a la langue dans sa poche, mais il te dit ce que tu as besoin d'entendre. Il n'est pas là pour te flatter, man. Il est rough avec le monde. Mais les gens sont attirés vers ça. Les gens, ils aiment ça, quelqu'un qui va te challenger pour essayer de faire de toi une meilleure personne. Fait que tout ça pour dire ayez un cercle petit. Mais de personnes qui vous aident à améliorer. Ayez des bonnes connexions avec des gens. Ça peut être sur n'importe quoi. Lui, il connaît bien, exemple, les finances. Lui, il connaît bien euh, l'immobilier. Lui, il connaît bien, nanana. Essayez de vous former un cercle euh, où vous pouvez tirer du positif de toutes ces personnes-là. Moi, je trouve pas ça normal que vous soyez là à parler euh, talk shit de, de votre chum. Ah, oh, hey, mon chum, lui, c'est un ci, lui, c'est un ça, nanana. Ou hum. le monde qui parle mal de leurs leur titre leur, du monde proche des autres. Je suis comme, man, je comprends pas comment vous faites d'essayer tout le temps de downgrade ou ah, euh, tu sais, il y a un gros conflit entre la gauche et la droite, mais c'est ceux qui veulent, tu sais, diviser pour mieux régner, on l'a tous déjà entendu. Mais la, la beauté de la chose, c'est que tu as un gauchiste et un, une personne de, de, de droite qui peuvent se parler. On, on, plus, on est tellement plus forts ensemble, puis ça, c'est quelque chose qu'on on aime le conflit, on aime diviser les gens. Ouais, toi, tu penses ça, ben, ça veut dire que t'es un cave. Nanana, nanana. Moi, j'étais le premier à embarquer dans la wave de fuck Legault, puis pis après ça, je me suis dit, tu vois, à place de dire que j'aime pas l'individu, je vais faire un step back, puis je vais écouter l'entièreté la, 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 de ses propos. Puis après ça, quand il parle de la langue française importante, telle place, il y a plein d'affaires qui sont super cool de François Legault. Il y a d'autres affaires qu'on n'est pas d'accord, puis tout, mais tu sais, il y a comme un gros agenda derrière ça, puis tout. Ouais. Mais. Euh, pour fermer cette parenthèse-là, encore une fois, quand j'étais avec l'agacé, il me parlait d'Andrew Tate, un batteur de femme, nanana. Puis j'ai dit, est-ce que tu as déjà écouté un une heure ou basement. deux heures de l'homme que tu me parles avec autant de confiance? Et il dit, non, moi, pas besoin de ça. Moi, j'ai vu deux minutes, puis il m'a fait mon idée. j'ai dit, c'est ça le problème, c'est les gens comme toi. Ouais. C'est que je me fais une idée de quelque chose après deux minutes de contenu. J'ai lu le titre dans le journal de Montréal, j'ai pas lu l'article. Ça, c'est un gros problème. Fait qu'avant de vous faire l'idée d'une personne ou l'idée de, de, de quoi que ce soit, développez votre esprit critique. T'en as parlé tantôt de l'esprit critique. Développez votre esprit critique pour pouvoir aller chercher le meilleur de tout. Il y a du bon dans tout. Puis c'est notre job d'aller chercher ça. Je fais ma parenthèse, sorry. <laughs> oui, J'aime ça, man. J'aime mm. ton mindset. Puis c'est pas pour rien que tu t'es le premier invité qu'on invite une deuxième fois à Et tout ça. Bon, dès, qu dès que la première fois qu'on t'a vu, on a fait comme « Chris mm. ». Il, tu penses d'une façon très similaire à nous puis on se rejoint sur plusieurs points puis c'est vraiment de tu je pense que c'est important aussi d'avoir de, de, une plateforme ou si on a une plateforme de pouvoir s'exprimer ouais. pas, pas nécessairement éduquer mais juste donner des les gens vont s'inspirer à travers c est, c est votre contenu les boys c'est ça que j'aime ouais. j'ai été invité dans j'ai été invité dans plein de podcasts puis je me suis dit ok mais je vais regarder je vais regarder un épisode je ai pas question mec vous êtes des vous faites des affaires pour euh, avoir le plus de views, etc. Good, ouais. you got views and everything, but je respecte pas ce que vous faites. Non, c'est ça. Parce que vous, vous vous dites des astiniaiseries, de euh, vous vous comportez comme des crises d'enfants, euh, vous poussez les jeunes à faire des affaires être complètement débiles, puis, puis ça, ça vient pas me rejoindre. Ouais. Mais vous autres, vous allez poigner des personnes. Exemple, check, vous avez fait un avec euh, Hélène, Hélène Boudreau. Ouais. Les questions, c'était pas juste. Euh, mon nom tu titres sur des affaires de même, puis tout, vous avez parlé de sa business, qu'on m'écageait. Qu vous avez parlé ouais. de plein d'affaires. Ouais. Ça, ça faisait du contenu au moins que si jamais il y a une femme qui veut se lancer là-dedans, parce qu'on est dans un free country, go for it. Girl, elle peut regarder ça. vous disait, Chris, elle a fait tant, elle a travaillé de même, elle a fait ça, elle a fait ça. Il y avait quelque chose de, 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 de productif, puis éducatif, si on veut. Ouais. Right? Exact. Même si on avait une figure controversée, on est fan, etc., vous avez réussi à transformer ça en quelque chose que les gens peuvent en tirer du bon. Mais c'est pas tout le monde qui a le pouvoir de faire ça. Nope. Ce que ça fait, par contre, c'est quand vous dites pas tout le temps ce que le monde veut entendre, ça peut réduire le reach que vous avez. Ça peut... Euh... Fait que là, c'est là que les gars deviennent des astis de clowns. Ouais. Nope. Parce qu'ils disent, plus je dis des niaiseries, plus il y a de monde qui regarde mes affaires, plus je parle de cure, plus je parle de ci, plus je parle de ça, les gens vont m'aimer. C'est comme, non, le monde t'aime pas. Le monde veut juste être diverti avec la stupidité, puis ça, c'est depuis day one. Ouais. Ouais. On aime plus regarder le clown que regarder quelqu'un qui peut nous aider à, à, à bâtir une maison ou à faire ça, puis toi, ouais. c'est humain. On cherche à être diverti. Pourquoi? Parce qu'on a passé une hostie de journée de marde. On revient de la job. J'ai pas envie de m'améliorer en tant qu'humain. C'est là que la discipline embarque encore ouais. une fois. Fait qu'à place de, de vouloir devenir une meilleure version de moi-même, ben là, je vais aller regarder Q, t'as ton poil sur mon téléphone. <laughs> puis après ça, man, demain est une autre journée, puis tout. Puis si je me plains que ma vie est ci, je me plains que ma vie est ça, mais j'ai pas fait un hostie de pas pour améliorer ma crise de vie. « oh, mais ça, c'est de, de la faute à ça. la faute à ça. Ah, oh, moi, un problème de glande. Peut-être que tu leur donnerais moins de pouding à tes calices de glande, ils te patience, patience. Right? <laughs> » T'sais, on va être honnête, ça c'était des bougons ben, en passant. Je viens de les bougons, man. Dolores dans les bougons. Parce que Junior, il dit, pas moi, c'est mes glandes. Elle dit, peut-être tu leur donnerais moins de pouding et de bière à tes glandes et de cristrapation. Elle a dit, que j'avais ri, man. J'avais tellement aimé ça, comment c'était peur, bougons, man. on avait une scène des bougons qu'on tripait dessus. Là. Which one? Which one? Moi, ma blonde, on les écoute. Man. Oh, ouais, mais je suis allé à l'école avec un gars qui jouait dans les bougons. Oh, ouais. Le jeune, avec les cheveux longs. Mao? -oh? Je sais pas, j'ai pas écouté les bougons, ouais, mais. Okay, okay. Il... La scène, scène asiatique? Non. Non? Okay, il monte okay, okay. en haut. Il monte, chez eux <laughs> la femme, elle a un nouveau chum. Puis le chum, il est comme un peu proper. Puis là, il est comme. Euh, oh, prends-toi une bière, mais m'a me changer de tampac. Ah oh, oui, la... oui, oui, oui. Puis oui, là, oui. là, là oh, le gars, il dit, la hey, BS. devil. <laughs> puis là, il dit, est-ce que tu tâches? <laughs> là, la, la fille, elle rentre. Puis là, elle dit, elle regarde la fille fait faire Elle dit, pis qui c'est, t'as sucer ou quelque chose de <laughs> ça c'est une scène. Non, comment? mais les bougons, il y a plein de <laughs> représentations absurdes du Québec, ouais. tôt, mais il y en a d'autres qui étaient là, tabarnak, c'est pas loin de la réalité. Il ouais. ouais. y a du monde spécial, man, mais tu ah, oh, man, les bougons, c'est un putain de joyau, man. C'est plate que ça l'ait pas continuer, man. <laughs> tu es, es capable de retrouver les épisodes de ça? Ouais, t'es pas online. Tu t'es abonné à ici.tv, tout.tv, tout right? Puis tout est puis, est euh, long. Toutes les, les vidéos sont longues. Tu t'es abonné, c'était genre 11$. Puis après, ça, on s'est désabonné, là. Mais ouais, il y a du bon contenu. <laughs> mais ça, ça, tu vois, c'est encore une fois, c'est un divertissement idiot. Mais il y a quand même du bon à tirer de cette émission-là, man. À quel point ils sont francs. Quand ils parlent du gouvernement, quand ils parlent des taxes, quand ils parlent de, de, de tout, il y a des, il, 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 le gars qui a écrit ça est vraiment plus intéressant les gens qu'on pense. C'était pas juste de l'absurdité, man. Il non. y avait certaines choses qui étaient super bonnes. Paul Bougon, man, le, le principal est très brillant, mais il veut juste pas embarquer dans le système. Puis il explique pourquoi. Il dit Toi, tu le sais où c'est qu'elle s'en va l'argent. Tu le sais où, même ton 50 000 que t'as payé de taxes cette année, man, tu le sais où c'est qu'il va, man. Ouais. Il est allé enrichir du monde qui aurait pas dû enrichir. Puis tu puis, sais, il parle de, 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 du roulement de la chose. Puis il y en a qui disent Chris, euh, ça commence à être un peu trop réaliste. Euh, pas trop réaliste, mais ouais, accurate, exactement. Fait que là, anyway, ça a fini après trois saisons, mais calme ce que c'était drôle cette émission-là. Mais ça, tu vois, ça c'est un plaisir, un plaisir, un guilty pleasure. Comme Jordan Peterson, il parlait que lui il écoutait les White Trash Boys ou les. Trailer Park Boys. Trailer Park Boys, White Trash Boys. sorry. Mais tu sais, il disait que c'était son guilty pleasure. Ah, il les adore, Il les J'ai jamais écouté ça, c'est bon? Je suis Canadien. C'est des Canadiens ça. boys à Western, il y en a qui juraient que pour ça. Moi, c'est The Office. Je pourrais écouter des épisodes. Ben oui, The Office. Messieurs, c'était un honneur encore une fois. Il Est-ce qu'il y avait une autre question ou. Thank you very much. Encore une fois, ce que j'aime de ce que vous faites, c'est que c'est authentique. Puis vous parlez pour la jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont vous regarder. Vous êtes des athlètes. Vous êtes des personnes qui ont beaucoup d'influence dans le monde du fitness. Puis c'est bon d'avoir ça. C'est bon parce que encore une fois, les hosties podcasts, on dit le plus de niaiserie, il y en a beaucoup trop. Vous gardez ça authentique, même quand vous avez des, encore une fois un exemple, Hélène Boudreau, vous avez réussi à garder ça sharp. Moi j'avais peur, man. Quand j'ai <laughs> regardé ça, j'étais là, hostie, man, qu'est-ce qu'ils vont lui demander à elle? Puis c'était sharp, c'était bien exécuté. Le gars de son moyen, un peu dans ce verre. C'est qu'on est, <laughs> ouais, <c> est <laughs> ça qu On est dans <laughs> les remarqués. All right. Maison créative. Let's uh, go. Oui. Shout out. Hey, mais ouais. Merci beaucoup d'être <coughs> venu. Puis comme comme j'ai dit, là, ton mindset, il euh, ressemble vraiment à le, le nôtre. Hmm. Je te souhaite de vivre le, chaque jour parce que c'est le, le moment le plus important. Yes, Je te souhaite la meilleure des chances pour ton prochain combat. Cheers, Petit, la gueule. Fuck yeah, man. Fuck him up. Let's go. Pew.